je vous laisse arriver. On est déjà à 160, 81 sur TikTok et 80. Ah ben non, 104 sur TikTok et 95 sur Insta. Ça parle vite, ça monte vite. Donc, comme on va être beaucoup encore, normalement, je vous invite vraiment à respecter les règles. Non, ça va, je suis pas trop fatigué, Cathy. Qu'il faut absolument et impérativement, une fois que je suis en contact avec la personne, de ne pas écrire. Alors, je sais que sur Insta, vous êtes réglo, mais sur TikTok, vous avez, coucou Nina, vous avez le truc de, coucou Izzy, vous avez le truc d'écrire beaucoup. Alors, je comprends que tout le monde souhaite un message. Donc, c'est pas le truc, hein. Il faudrait que vous soyez calme, en fait. Il faut de la bienveillance. Il faut que je puisse être connecté dans une bonne énergie, envoyer des cœurs, mais des cœurs sur les petits côtés, là, pas en envoyant des cœurs dans les commentaires. Vous pouvez le faire également sur Instagram. Et comme ça va appeler la bienveillance, l'amour, et que les anges soient là et vos proches défunts soient là. Donc, comprenez bien que je donne le maximum pour vous passer les messages. Donc, il faudrait que vous soyez calme quand même et respectueux dès que je suis avec quelqu'un. Simplement, la personne à qui je m'adresse peut m'écrire en majuscule, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Ce qui est bien en faisant les lives sur TikTok et Insta en même temps, si vous n'avez pas les 500 abonnés sur TikTok pour monter en live avec moi, donc pour être en vidéo, vous pouvez passer sur Insta. Donc abonnez-vous sur les deux comptes, Insta et TikTok. Et sur Insta, il n'y a pas besoin d'avoir 500 abonnés, donc du coup, je pourrais avoir la caméra ou le son. Ça serait bien la caméra puisque les gens sont quand même un peu au spectacle, hein, quelque part pour eux, pour moi, c'est un peu ça, hein. C'est pas, vous acceptez aussi d'être filmé en passant sur ces lives, donc en étant avec moi ici sur TikTok ou sur Instagram. Je vais vous donner des informations qui sont quand même assez confidentielles sur votre vie. Vous acceptez ça aussi. Donc, il n'y a pas besoin de signer de charte ou quoi. C'est le fait d'être ici qui fait que vous acceptez les règles telles qu'elles sont. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un message non plus. Vous pouvez être là pour juste regarder ou envoyer des cœurs ou autre. Donc, s'il vous plaît, je vous répète, quand je suis en connexion avec quelqu'un pour un message défunt, parce que c'est les messages défunts, hein, que je fais souvent. Oui, c'est gratuit. Les lives sont gratuits, on m'a demandé beaucoup. Les lives sont complètement gratuits. C'est pour vous aider. Puis j'aime bien faire ça d'ailleurs. J'aime bien être en connexion. Je fais ça aussi pour les associations d'ailleurs. Et ceux qui ont eu des contacts ou ceux qui souhaitent aussi revoir les vidéos, vous avez la rediffusion sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Voilà. Et dans le descriptif, on écrit pour qui c'est, en fait, pour qui sont adressés les messages. Donc, si j'ai eu, je me rappelle, la dernière fois, j'ai eu Jupe, je ne sais plus quoi, j'ai eu Nounours, il me semble. Je sais plus. Je les note, en fait, dans les commentaires, enfin, pas dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo, pour que vous puissiez les repérer. Et après, c'est écrire aux diffusions du live de telle date. Oui, vous pouvez être en pilou-pilou. J'ai vu des gens qui disent un live en pilou-pilou à 21h. Et merci pour vos messages d'encouragement, pour les messages j'aime tes lives, c'est super, on passe un bon moment. Alors, je donne le maximum, hein. Aucun médium a la vérité absolue. Il se peut qu'on se trompe, hein, c'est normal, parce qu'on capte des informations, on capte pas tout, on n'a pas la science infuse, on capte un autre monde. Et cette connexion demande aussi d'être en... Moi, je fais des prières parce que je suis croyant, d'être en prière, d'être en adéquation et avec nous et les autres, avec la lumière surtout. Merci pour les commentaires, c'est gentil. Les gens me disent que je suis formidable. C'est un peu too much parce que c'est pas moi. Moi, je suis le transistor, si vous voulez, de l'au-delà, du monde de l'invisible. Je m'allume et je vous dis ce que j'entends. Et voilà, je vous passe les messages. Je les contacte pas directement, les défunts. Et je vais répondre aussi à une question parce qu'on me le demande souvent. Si je fais des contacts défunts via mes consultations, alors je fais pas les lives pour avoir des consultations, hein, c'est pas du tout ça.
Je ne fais pas de consultation spécifique contact défunt parce que éthiquement c'est pas réellement valable, on va dire, parce qu'on peut. Je suis transistor, Cécile. Non, je suis messager. Et donc c'est pas valable parce qu'on ne sait pas si lors de votre rendez-vous, admettons, vous prenez rendez-vous pour le 15 février à 15 h, qui me dit que le défunt va être là? Personne. Alors c'est bien de se dire on va essayer de le contacter, mais par contre ça prend beaucoup de temps et je ne peux pas me permettre de prendre des consultations et puis après évidemment si j'ai pas de contact de vous rembourser. Donc je vais pas passer un temps fou à essayer d'avoir un contact pour vous. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est ça, hein. Et moi après finalement enfin je vis de ça, hein, c'est ma société, donc c'est un peu compliqué de dire ben oui prenez un rendez-vous pour ça, on va voir s'il est là et puis après ben, s'il n'est pas là je vous rembourse alors que j'aurais passé du temps avec vous. Donc ça c'est pas fiable. Donc quand vous venez en consultation avec moi, si j'ai un défunt qui se présente à moi, je vous donne l'information. Par contre c'est pas forcément le défunt que vous attendez parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent pour leur mère ou autre et il y en a qui ont des messages de leur père décédé qui n'était pas forcément gentil ou d'autres personnes qui n'étaient pas forcément gentilles mais qui demandent un pardon, hein. Donc, je ne contacte pas les défunts. Je vais vous dire ce que j'entends. Ça correspondra forcément à quelqu'un d'entre vous parce que c'est assez précis quand même. Il y a souvent des prénoms, des dates, parfois des noms. Ça m'est arrivé de dire, la dernière fois, il y a deux, trois lives, on a eu Pierre Duval qui était là. Non, lui, il était super précis. Donc, là, pendant que je me connecte et que je vous dis, j'ai, admettons Chantal, je dis toujours ce prénom, Chantal qui est là, qui est morte du cancer des os, qui me donne deux prénoms, Laurence et Maryse. Voilà, vous voyez, c'est précis. Au fur et à mesure, il faut que ça vous parle. Et là, vous pouvez écrire les messages parce que là, j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la personne, plus de messages. Parce que sinon, on va mettre 4 heures. La dernière fois, on a mis 3 quarts d'heure. Pour un défunt. Donc, si tout le monde respecte les règles, on va pouvoir faire passer beaucoup de défunts, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là. Hein. La dernière fois, j'ai eu des enfants et on n'a pas pu les faire passer, puisque. Ah, pardon. Donc voilà, soyez sages et écoutez bien les règles. Si vous ne savez pas, demandez au modo. Mais après, j'essaye de vraiment de vous parler, de vous donner les informations. N'oubliez pas, si vous n'avez pas 500 abonnés sur TikTok, passez sur Insta. Et là, on peut faire le live en vidéo et j'essaierai de montrer les écrans pour que vous continuiez à suivre le live, évidemment, que vous n'ayez pas que le son, que vous ayez également la vidéo. Le livre, on les a reçus. Le chuchotement des anges, mon livre. Donc, c'est le prix éditeur, hein, c'est 15 euros. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas, c'est ce prix-là. Vous le trouvez à la Fnac, sur Amazon, sur deux sites, sur Chapitre, sur le site de l'éditeur Nombre 7, partout. Vous pouvez le commander avec une dédicace sur mon livre. Oui, la dédicace, ça sera dans mon livre, mais une dédicace personnalisée avec, en fait, faut aller sur mon site. Vous regardez sur le site onglet Mon livre, vous commandez avec la dédicace. Alors effectivement, il est à 22 euros sur mon site internet puisqu'il y a 7 euros de frais d'enveloppe cartonnée, la poste. C'est un suivi. Donc c'est pas moi qui vais offrir les frais postaux. Donc il est au prix de 22 euros avec la dédicace. Et vous envoyez ensuite un mail à mon assistante à nicolasdavidmedium@gmail.com. Vous dites voilà j'ai commandé le livre, ma date de naissance, mon prénom c'est tant parce que j'ai besoin de votre date de naissance pour me connecter pour vous faire une dédicace personnalisée. Quand même je n'écris pas juste amitié. Et si vous avez envie qu'elle soit filmée la dédicace, votre pseudo TikTok et ou Instagram. N'oubliez pas, faut que je le répète tout le temps, on dirait que je suis présentateur télé. Il y a des gens qui usurpent, j'arrive jamais à le dire, l'identité des TikTokers, des Instagrammeurs, enfin un peu de tout le monde. Ah oui, la boîte à questions, il faut que j'enlève, pardon. Désactiver, je réponds pas aux questions. N'oubliez pas, il y a quelqu'un qui prend l'identité d'autres personnes. Il n'y a pas que moi. Donc ce n'est pas moi qui vous écris des messages en direct. Il y a plus de 18 500 abonnés sur TikTok, vous êtes déjà plus de 2 100 sur Instagram. Donc dites-vous bien que
Je ne vais pas contacter chacun d'entre vous et vous envoyer un message en vous disant comment ça va. Je vous propose une consu, je te propose une consultation à 50 euros. J'ai fait des vidéos partout explicatives. Faites attention à vous, prenez soin de vous et ne soyez pas dupes. Quand on vous propose une consultation à 50 euros et qui plus est qu'on vient vous chercher pour vous proposer une consultation, c'est bizarre. Personne va vous proposer ces services, hein, on est d'accord. Donc faites vraiment attention à vous. Bon, après je remercie. Oui Camille, je livre. Alors pour l'international, je livre à l'international. Il faut envoyer un email à nicolasdavidmedium@gmail.com. On a déjà le Canada qui a commandé, la Suisse, la Belgique, on a plein de pays. Par contre, effectivement, c'est plus cher, hein, les frais postaux sont plus chers. Donc on vous fait un devis, une facture. Une fois que vous avez réglé ce devis, qui correspondra aux frais postaux de votre pays, hein, effectivement, plus le prix du livre. Si vous acceptez que vous réglez ce devis, eh bien voilà, on vous l'envoie. Il n'y a pas de souci, évidemment. Il y en a plein qui l'ont commandé de partout. Il y a Tahiti, c'est incroyable. Vous me suivez de partout. Et j'ai vu sur TikTok, il y a beaucoup le Canada, la Suisse, la Belgique. Et après, évidemment, toute la France. Ben on va commencer, peut-être, non? Vous êtes là pour ça? Parce que, alors, les défunts, ça fait 2 jours qui me traque pour vous donner les messages. Ah, vous êtes content. Alors, je vous demande, je fais comme lors de mes conférences. Vous avez toutes les dates des conférences sur mon site aussi. Pour les conférences, bonjour Chantal. Alors, je vois certains d'entre vous, je les reconnais. Hein. Désolé pour ceux que je nomme pas, mais il y en a qui sont tout le temps là. Donc, j'arrive à les repérer quand beaucoup de messages arrivent. Et merci Muriel Raymond pour faire la modératrice sur Instagram. Les dates des conférences sont sur mon site internet et je fais comme lors de mes conférences. En fait, je me connecte, je vous demande d'être dans l'amour, d'appeler vos proches, mais pas d'envoyer des messages en disant papy, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux m'envoyer un message? Faites-le de votre côté, derrière votre écran, avec plein d'amour, parce qu'il faut être connecté avec une intention très forte d'amour. Il faut pas juste dire bon papy, si tu es là, s'il te plaît, envoie-moi un message. Non, c'est vraiment avec votre cœur, j'allais dire avec vos tripes, vraiment quelque chose de très fort. Et voilà, et souhaiter qu'ils soient là et qu'ils viennent me voir et que je vous donne les messages. Je suis désolé pour ceux qui ont pas eu de message. Je fais le maximum pour qu'on ait le plus possible, s'il vous plaît. Donc respectez bien, n'écrivez pas. Vous êtes très très nombreux. Vous êtes 810 sur TikTok et 225 sur Insta. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de regarder les vidéos et de pas forcément avoir un message, mais juste qu'on soit tous un peu dans la bienveillance et l'amour. Et envoyez les cœurs. Et bien sûr, vous aurez la rediffusion sur nicolasdavidmedium.com. Et à la fin du live, je vous répondrai à vos questions. J'essaierai de faire une demi-heure pour répondre à vos questions. Si je suis pas trop fatigué, mais normalement, ça devrait aller. Alors, les anges, on est parti. Ah, pardon. Ah là là. Les anges. Alors. Alors, il y a Mathieu qui est boulanger. Oh là là, il est proche de moi. Mathieu boulanger, il est brun. Il est petit, mais il est pas fort, hein. C'est pas un gros monsieur, hein. Il est fin, lui. Mathieu boulanger. Et de quoi il est mort, ce monsieur? Je crois qu'il est mort du cancer. Il est décédé à l'hôpital. Décédé à l'hôpital. Oh là là. Je sais pas si vous, alors vous pouvez ressentir, hein. Vous pouvez ressentir plein de frissons, de larmes aussi, mais c'est des larmes d'amour, hein. Alors il y a Mathieu, ou alors est-ce que ça s'adresse à Mathieu, ou est-ce qu'il y a un lien avec Mathieu? En tout cas, j'ai un monsieur qui est boulanger et qui est brun, assez petit, fin, décédé du cancer à l'hôpital, hein. Cancer de quoi, monsieur? De la gorge aussi? Mais c'est commun, ça, j'ai l'impression, la gorge. Cancer de la gorge à l'hôpital. Il me dit le 22 juin. Mon Dieu, ça va être précis ce soir. 22 juin, ça a un rapport, 22 juin. Alors, s'il vous plaît, les modos vont répéter pour qu'on puisse trouver la personne à qui ça s'adresse. Merci d'être là, les modérateurs. Bonsoir, Angélique. Donc, j'ai le prénom Mathieu. Est-ce que ça a un rapport avec la personne qui est connectée ou est-ce que c'est une d'entre vous et il y a un lien avec Mathieu? Il y a boulanger, brun, petit, fin, cancer de la gorge, décédé à l'hôpital et je ne sais pas pourquoi j'ai une date le 22 juin.
Alors là, vous pouvez répondre et vous pouvez me noter si ça vous correspond, hein. Ben non, ils écrivent plus. Ben, des messages qui correspondent à ce que je viens de vous dire, hein. Les règles, c'est boulanger, cancer, ok, mais pas Mathieu. Alors, et 22 juin pour Kelly. Parce que Mathieu, vous pouvez vous en rappeler plus tard, hein. C'est pas grave. Alors là, il y a Kelly. Ah, merci bébé Jude d'avoir répété. N'écrivez pas, demandez de votre côté de votre écran si vous avez envie d'avoir un message de défunt. Je sais que c'est important pour eux, pour vous. Oui, c'est pour ça que Galfan, ça peut être, bon, Mathieu, c'est pas forcément trop jeune, mais c'est, ça peut avoir un rapport. Alors, vous, c'est cancer du côlon. Alors, on peut avoir deux personnes, hein. On peut avoir Mathieu, cancer de la gorge. Alors, la date ne me parle pas, 22 juin. Alors, je vais essayer de voir si je peux me connecter à vous. Alors, c'est Kelly. Alors, Kelly, les anges. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez... Alors, Kelly, on va voir. En attendant, mettez des petits cœurs, hein. Mais pas en commentaire, hein, sur le côté, parce que sinon, ça va pourrir, entre guillemets, le chat. Bon, vous verrez, Kelly, si ça vous parle. Je vais essayer de me connecter à vous. Vous m'avez dit boulanger, mais cancer du côlon, c'est bizarre quand même. Est-ce que là, vous avez Mathieu? Parce que ça peut être deux défunts. Il y a Mathieu, boulanger. Alors, brun petit et fin, j'ai pas un boulanger fort, hein. Il y a cancer de la gorge, il y a décédé à l'hôpital et le 22 juin. C'est important apparemment. Et Virginie, petite fleur, est-ce qu'il y a un rapport avec Mathieu? Est-ce que ce prénom, Miss Rebelle, c'est votre date de naissance, mais le reste ne correspond pas. Il faut que presque tout corresponde quand même, hein, c'est important. Vous êtes bien sur TikTok à chaque fois, sur Insta, c'est top. Insta, vous êtes calme. On est 1400 sur TikTok. Et 242 sur Insta. Ça fait presque 1500 personnes à 50 personnes près. Ah! Mon ex boulanger petit fin, son gendre Mathieu. Je ne sais si décès. Ça, c'est Bridget. Alors, Bridget, vous avez une photo de cheveux, ça va être compliqué. Je vais vous demander votre date de naissance. L'Insta, c'est Nicolas David Medium, hein. Alors, je vais me... là, on a trouvé. Ouais, c'est bien discipliné, Elodie, Insta. Alors, les personnes qui sont... Vous êtes où? Important. Alors, il y a une personne, il y a Virginie. Je pense que ça s'adresse à Virginie, hein, le message pour Virginie. Virginie, elle est assez aérienne et elle est très tête en l'air, hein. Il me dit c'est une tête en l'air. Alors Virginie, Vivi, c'est une tête en l'air, aérienne, tête en l'air. Mais il fumait avant ce monsieur. Cancer de la gorge, oui, d'accord, oui, fumer alors, ouais, fume. Alors, Mathieu, il y a Virginie.
Virginie, aérienne, tête en l'air. Est-ce que la personne de tout à l'heure, on va y arriver, hein? Alors, les personnes à qui ça correspondait, s'il vous plaît? Alors, il y a Virginie Petite Fleur. Ah oui, Virginie Petite Fleur. Ben, je ne me rappelais même plus d'ailleurs. Virginie Petite Fleur, vous pouvez aller sur Insta, s'il vous plaît. Je pense que c'est vous. Il y a Virginie, il y a Virginie. On va y arriver. Ça commence un peu à se restreindre, à se réduire. N'oubliez pas de vous abonner à TikTok et Instagram, puis la chaîne YouTube si vous voulez voir la rediffusion, hein. Alors. Insta, je vais essayer de me connecter. Bon, on va attendre Virginie Petite Fleur. Donc, Virginie. Et les autres personnes à qui ça correspondait? La chaîne YouTube, c'est Nicolas David Medium. C'est tout est Nicolas David Medium. C'est moi le petit ange. Camille. Ben, j'attends Virginie. Ah, Alison. Alison, elle est où sur Insta? Alison, Alison, écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Ben, je la vois pas, Alison. Ah, seule la date ne correspond pas. Écoute, on va regarder. Lancer un direct. Je prends Alison sur Insta. Alors, pour que vous voyez. A refusé. Ah, Alison a refusé. Alors, Alison, vous voulez pas passer en direct? Je ne peux pas faire de direct. Ah, alors, Alison. Alors, dites-moi en majuscule ce qui vous correspond, Alison, dans Mathieu Boulanger, brun petit fin, cancer de la gorge. Décédé à l'hôpital. Et après, j'ai Virginie aérienne, tête en l'air. Alors ça, on va me parler pour quelqu'un, je pense, hein. Alors, si vous pouvez aller vite, que ça me permette de pouvoir prendre un autre défunt. Demandez les règles au modo en attendant, s'il vous plaît. C'est pas évident d'être dans la réalité et après d'être connecté, hein. Donc il faudrait que vous fassiez vite quand même. C'est pas grave, Vivi, si vous n'avez pas Instagram. Bon, Alison, elle est pas là? Après, si vous voulez pas recevoir les messages, je peux passer à quelqu'un d'autre, hein. Ça peut vous perturber, hein, aussi, hein, c'est normal, hein. Les contacts, je ne contacte pas les... Alors, je pense le temps que j'installe Instagram. Ah, Virginie. Virginie, elle installe Instagram. On n'a pas fini. Donc, les défunts viennent à moi, je vous donne les messages. Là, normalement, il y a quelqu'un. Je vais essayer de vous faire patienter. Je suis désolé. Donc, Alison, je sais pas où elle est sur Insta. C'est bête parce qu'on perd une demi-heure pour rien.
C'est vraiment dommage. Je pense pas que ça vienne du même personne. Virginie aérienne était en l'air. Hein. Si vous savez tous les messages qu'il y a, il y a 1200 personnes sur TikTok et 374 sur Insta. Donc Alison, je la vois pas là. Elle est là, Alison, maintenant. Alors, Alison, si vous êtes là, écrivez-moi en majuscule que je puisse vous repérer. Alors, Alison a son grand-père décédé du cancer de la gorge et soigné par docteur Mathieu. Ah ben voilà. Parce que c'est toujours important. Et Alison, elle n'est pas là. Écrivez en majuscule, s'il vous plaît, parce qu'il y a 1200 personnes sur TikTok et il y a plein de messages qui arrivent par paquet. Je ne peux pas vous repérer si vous n'êtes pas en vidéo ou en sonore. C'est pour ça que je vous demande d'écrire en majuscule simplement à la personne à qui je m'adresse, s'il vous plaît, pour qu'on aille plus vite. Sur TikTok, ils comprennent. Alors les modérateurs vont muter toutes les personnes qui ne correspondent pas à ce que les défunts souhaitent. Vous allez être muté quelques minutes pour comprendre qu'il ne faut pas écrire, s'il vous plaît. Il y a 1200 personnes, comment vous voulez faire? Elle a répondu. Irrespectueux, c'est sur TikTok. Elle est là? Moi, je la vois pas. Moi, j'ai pas beaucoup de messages sur Insta. Hein. Coucou, Aaron. Plus haut, elle a laissé un commentaire. Alison. Alors. Ah, Alison, mon grand-père est décédé suite à un cancer de la gorge et soigné à l'hôpital par docteur Mathieu. Ah oui, c'est ce que vous avez répété tout à l'heure. Alors maintenant, il n'y a que Alison qui s'exprime, s'il vous plaît, en majuscule. Comme ça, je peux bien passer le message. Et là, on va arrêter les commentaires sur TikTok, vu que on a Alison de l'autre côté. Alors, paramètres des commentaires. Alors, j'ai masqué les commentaires pendant 5 minutes. Il n'y a plus personne maintenant. Ils sont masqués pendant 5 minutes pendant que je donne le contact à Alison sur Insta. On va y arriver. N'avez pas réussi à voir. Est-ce que vous me voyez? Ça fait un peu trop de reflets, non? Est-ce que tout le monde voit? Je vais faire plus comme ça. C'est bizarre que ça fait un reflet. Ça ne marche pas. Alors, on va faire retourner la caméra. Excusez-moi, mais il faut que tout le monde puisse voir. Ah, là, ça marche. Donc là, on est sur Insta. Alors, on va y arriver. Alison. Donc vous dites c'est votre grand-père. Quel rapport avec Mathieu? Docteur, c'est docteur Mathieu, pardon. Donc c'est docteur Mathieu Boulanger. Il est décédé du cancer de la gorge. Le 22 juin, ça vous parlait ou pas? Que j'essaie bien de me reconnecter, Alison. Soyez respectueux, s'il vous plaît, entre vous. On se dira à l'école. Il faut de la bienveillance. Ah, non, la date ne me dit rien. Bon, notez-le au cas où. C'est important pour les défunts. Alison,
Comme ça, je vois un peu à quoi elle ressemble puisqu'elle ne peut pas monter en live. Alors, donc il y avait ce 22 juin et il y a la date de septembre aussi. Il y a le mois de septembre qui est important. Et il y a l'année 2019. Donc, il faudrait que vous le notiez. Ça peut apporter des informations après, hein. Alors. Alors, par contre, c'était très boulot, lui. Il était trop professionnel. Alors, beaucoup, les défunts, j'ai l'impression, ils sont pas beaucoup dans l'émotion. Il n'a pas pu s'exprimer avant de partir aussi, hein. Ah, vous avez commencé le travail en septembre 2019. En fait, si vous voulez, c'est pas pour faire le devin qu'on me dit ça, hein. C'est qu'en fait, ça permet de vous donner des signes pour voir qu'on est connecté à vous et qu'ils sont bien là, hein. C'est pas le fait d'être devin. Et c'est pas du mentalisme pour trouver septembre 2019, hein. Alors je le voyais très consciencieux par contre, il s'est donné énormément, mais c'est bizarre parce que ça montre une âme assez jeune pour moi dans le comportement et trop canalisée dans le professionnel. Et du coup, il a un peu oblitéré tout ce qu'il y avait autour. Alors, est-ce que cette maladie, oui, il me dit oui, elle a été faite pour qu'il prenne conscience, mais il n'a pas pris conscience. Vous pouvez tous ressentir une énergie hein, chez vous-même. Hein. Vous pouvez avoir ce feeling. Alors, il dit que voilà, il n'a pas vu ça. Donc, vous avez commencé en septembre 2000. Ah, il dit qu'il aurait aimé vous aider, même aussi financièrement aussi. Mais qu'il n'a pas pu. Alors, est-ce qu'il était très dépensier ou il savait pas gérer? Il y a un problème peut-être avec la compta, hein, je pense, hein, parce qu'il aurait voulu vraiment vous donner énormément. Et c'est comme s'il avait un peu raté. Ça vous va si je dis ça? Oui, parce que c'était avant, c'est pas forcément grave. Donc c'est comme s'il avait un peu raté tout le côté émotionnel en fait, hein. C'est normal si vous ressentez des énergies, si c'est normal tout ça. Ça va, ça vous parle, Alison? Vous êtes bien? Vous n'êtes pas trop perturbé? Il avait de l'argent, il m'a aidé à sa manière, tout ce que j'ai aujourd'hui, en partie grâce à lui. Ouais, mais il aurait voulu faire beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'il y avait, alors je sais pas, ces maisons avec piscine, mais il y avait vraiment le fait de vouloir vous mettre à l'abri avec cette maison. Il y avait une grande, grande maison. Si vous avez une sensation de chaleur, c'est normal, c'est parce qu'ils sont proches de vous. Moi aussi, j'ai chaud, j'en peux plus, hein. Et si ils prennent notre énergie pour pouvoir communiquer et vous donner des informations, c'est important. Donc vous pouvez lui parler, vous pouvez lui envoyer beaucoup d'amour. Alors, il dit qu'il veut que... Ah, j'ai une maison avec piscine. Ah, vous l'avez déjà. Mais peut-être, je pense qu'il aurait voulu vous la payer. C'est comme quand quelqu'un dit, j'aimerais gagner au loto et je t'offre la maison piscine, en fait. C'est ça qui me montre. Envoyez des cœurs pendant... Vous pouvez envoyer plein de cœurs hein, pendant ce temps sur TikTok, sur Insta. Insta, ils le font, regardez. Là, il y a plein de cœurs qui passent. Et donc, on a la même sur TikTok. Les oreilles qui sifflent, tout ça, bon, c'est normal. Ouais, je pense qu'il aurait aimé même, comme gagner au loto et vous l'offrir, bon, son loto, c'était son travail, mais il n'a pas su bien le gérer, c'est tout, voilà. Ah, il est parti juste après la construction de la piscine, bon. Ils sont adorables, j'adore comme ils sont. Vraiment, j'adore. Alors, il dit que vous êtes perturbé en ce moment au niveau professionnel, il y a de l'angoisse. Il veut pas vous voir comme ça. Il veut vous voir comme avant, en fait, prendre les devants. Alors là, il faudrait que vous ayez un peu le même côté que lui. Alors, il faudrait que vous ayez ce côté un peu
Ah, il faisait des paris équestres, ouais, c'est ça. Il faudrait que vous ayez ce côté un peu entêté professionnellement, tout en lâchant la brise parce qu'on la bride, parce qu'on sait quand on est sur Terre, ben, il faut savoir avoir du recul, hein. Ah, merci, Mel. Ah, vous êtes en arrêt pour votre grossesse et aussi dépression au travail, c'est pour ça alors. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'il vient vous passer un message. C'est pour reprendre le cap, qu'il est là. À chaque fois que vous n'êtes pas bien, pensez à lui. Il est très rigolo cet homme. J'aime beaucoup. Il est passionné. C'est un passionné. Ça me fait penser un peu comme un scorpion en fait. Après, je fais pas d'astrologie, mais j'ai un peu cette sensation-là. Les scorpions, les béliers, ils sont assez passionnés. Et il est là. Il est vraiment proche de vous. Bonsoir Patricia. Donc pensez à lui à chaque fois. Il va vous aider. Ne tombez pas dans cette dépression. Sortez, rigolez, dansez, mettez de la musique et profitez, vraiment profitez. Alors, je vais vous remettre les commentaires. Ouais, les courses hippiques, mais ça lui a valu un peu beaucoup d'argent parce qu'il me dit qu'il aurait pu mieux le gérer. Donc, bon, voilà, je vous ai passé le message. Profitez bien surtout et recentrez-vous, réalignez-vous, il est proche. Il me fait comme ça. Il est rigolo, lui. Ils me font pas ça, les défunts d'habitude. Il me dit, c'est bien, mon gars. Mon gars Joe ou un truc, c'est un peu du sud, ça. Ça fait comme si c'était le sud, c'est bizarre. Il est très gentil, très très gentil. Bon, si vous pleurez, c'est normal, hein. Ah, c'était son mot? Ah, il disait ça? C'est étrange. Ah oui, il y a Laurence. Alors, non, c'est Céline qui dit, vous accouchez peut-être en juin ou pas? Est-ce que ça serait... Mais il adorait le sud. Mais alors, est-ce qu'il les imitait souvent? Ça, c'est important aussi. Est-ce que leur comportement, quand ils étaient vivants? Ah, voilà, elle accouche en juin. C'est pour ça. Merci, Céline. C'est pour ça. Bon, on verra si c'est vers le 22 juin, d'ailleurs. Il faut que je note votre pseudo, parce que j'ai oublié, pour la rediffusion. Alison.lrd. .lrd. Vous voyez, on arrive à avoir des beaux messages. Il y en a qui imitaient l'accent du sud. Ah voilà, parce que c'est pas normal. Si j'ai le truc, c'est bien mon gars Joe, ou je sais pas quoi. Comme il est très moqueur, bon, ça va. Ah, il avait acheté un appartement dans le sud. Ouais, il était fan, hein. Bon, vous avez de la chance, Alison, parmi toutes les personnes connectées, on est bien 1002, 1004, hein. Donc vous imaginez à travers chaque live. Donc soyez patient, attendez votre message. Moins vous écrivez, plus ça va aller vite. Il faut vraiment que vous pensiez à ça. Faut que je mette en sourdine sinon ça va pas arrêter de sonner. Mais Vanessa, c'est Vanessa qui dit la précision. À terme le 7 juin. Ah, j'aurais dit le 8, moi. J'aurais pas dit le 7. Après, je pense pas que vous alliez au 22, hein, du coup. Hein. Ça fait un peu loin. Ça pourrait pas attendre jusque-là. Je pense pas. Donc, en tout cas, pardon, je suis fatigué, moi. Ah oui, ça, pour être fier, je pense que c'est sa personnalité. Donc oui, il est fier, hein. Il est très, très fier. Mais il veut surtout pas que vous perdiez le cap. Il faut vraiment que vous ressentiez et ce qu'il pensait de la famille. De toute façon, dans une famille, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Hein. Mais il veut vraiment, vous, c'est votre message qui vous est adressé, c'est garder le cap et ne soyez pas dans l'angoisse, la dépression, tout ça. Hein. Je m'en rappelais plus, Vanessa, pardon. C'était le patron de la famille et suite à son départ, tout a éclaté. Et ouais, il va falloir parler, se rabibocher. Hein. Il va falloir faire ça. Bon, en tout cas,
Je souhaite que tout se passe bien, ça devrait bien se passer. Et après, c'est. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de petits garçons? Pourquoi ils montrent un bébé garçon? Est-ce qu'il y a beaucoup de bébés garçons chez vous? Ou peut-être vous allez me dire c'est l'inverse, hein. On ne peut pas forcément tout capter. Mais il vous entend, vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Vous savez, vous pouvez le faire tout seul aussi chez vous. Ah, vous attendez un garçon? Ah, d'accord. Bon, ça va alors. C'est bien. Belle énergie. Alors, bah, je pense qu'il doit être encore plus fier, hein, si il me montre que c'est un garçon. Ça bug? Non, ça devrait pas bugger normalement. J'ai les larmes, Sandra, elle dit. Bon, je vous laisse avec lui. Il va être présent encore quelques temps, je pense, avec vous. Vous inquiétez pas. Et vous pouvez l'appeler quand vous voulez, hein. Il a plein de petits-enfants, majorité des garçons. Bon, ça va. C'est, comme on dit, les COU2LES, hein. Voilà, c'est ça, en fait, que j'entends. C'est bizarre, cette façon de parler, les rigolos. Je vous embrasse. Il va rester un peu avec vous. Il est bien rigolo, j'aime bien. Et vous pourrez revoir donc la diffusion s'il n'y a pas de bug. Normalement, il n'y a pas de bug avec Insta. C'est redirigé dans les réels de suite après. Comme ça, vous pourrez revivre ce moment pour vous et bien vous dire que de l'autre côté, ils existent, nous existons encore. Ah, ce sont ces mots. De toute façon, moi, quand je suis connecté à eux, ils vont me dire toute leur façon de parler, comment ils étaient. Si... Alors, plus ils sont forts en énergie et plus ils sont dans l'amour, plus ça va être précis et fluide. Et plus moi je suis en forme, plus ça fonctionne aussi, hein. Ah, c'était le surnom des garçons. Voilà, c'est ça. Je pouvais pas dire le terme. C'est dingue parce que j'ai jamais dit ça dans lors de mes consultations. Ça m'est jamais arrivé. Je sais que à la conférence d'Aimé, je disais gamin, gamin, et le fils s'appelait Gabin et il l'appelait toujours gamin d'ailleurs, mais pas les termes couillus et tout ça là. Donc je vous embrasse bien, les sommes. Vous avez vraiment de la chance. Et prier, il est toujours avec vous, prier. En tout cas, lui, il est dans la lumière, c'est sûr. Il est vraiment, vraiment dans la lumière. Je vous embrasse. Je vais réinverser la caméra, si j'arrive à le faire. Voilà, je suis revenu sur TikTok en mode normal. Je vous en prie, Alison, je vous en prie. Alors, si vous ressentez des larmes, des frissons, de la chaleur, du froid ou autre, c'est normal, hein. Thiago, vous m'admirez. Alors, c'est gentil, hein. Dites-vous que je suis vraiment un messager, qu'on n'a pas la vérité absolue, qu'on va avoir des signes, des mots. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Je suis vraiment comme une radio qui vous retranscrit ce que j'entends. Et normalement, ça doit vous parler, hein. J'avais juste un défunt qui passait. Juste, tu dis ça, Nicolas, s'il te plaît. C'est Farid. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est Farid, c'est un très grand monsieur. Hein. Il doit faire presque 1,90 m, j'ai l'impression. Il dit juste, tu peux passer un message, s'il te plaît, et dire que je l'aime. Alors, ça a une fille, mais je n'ai pas le prénom. Farid. Si vous pouvez me dire pour qui c'est, ça serait plus facile. Sa sœur. Est-ce qu'il y a la sœur de Farid? En tout cas, voilà, vous avez votre message. Il ne pourra pas parler plus, apparemment. T'es là, papa? Il y a Tati aussi, non? Il y a Tati Christiane ou pas? Je ne sais pas si vous avez vu le message que j'ai passé. Là, ils peuvent parler, c'est pas grave, Marie-Carole. Ça me dérange pas là pendant que je me connecte, c'est pas grave. Quand je suis connecté, par contre, il faut pas parler, que ça me permet d'aller plus vite. Alors, est-ce qu'il y a la sœur de Farid qui passe son message? Il me dit c'est important. Je sais pas s'il a pas fumé le bédo, tout ça, hein, parce qu'il y a,
J'ai même un problème facial côté droit. Miorler, vous dites sa sœur Myriam. Et j'ai mal à l'oreille en plus, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui aurait pris une... Je vous souhaite pas, hein, mais qui aurait pris une balle ou quelque chose comme ça. Ça me fait bizarre parce que c'est comme si on me rentrait un objet dans l'oreille, mais fort, et j'ai mal de ce côté-là de la face. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça correspond, s'il vous plaît, que normalement je suis pas fou, je suis juste médium. La sœur de Farid, est-ce que c'est sur... Oui, la sœur de Farid, c'est important. J'ai un truc avec là, et j'ai très mal à l'oreille, c'est droit. Il faut répondre en majuscule, s'il vous plaît, si ça correspond. Non, j'ai vraiment mal dans l'oreille. Et j'ai pas mal à l'oreille, hein. Je ne fais pas de contact direct, c'est eux qui viennent à moi. Oui, peut-être un AVC, mais c'est pas ce que je ressens. Ça fait vraiment comme une explosion. Alors Lila, alors vous dites non Abdel, mais pas Farid. Alors, excusez-moi, moi j'ai bien le prénom Farid dans ma tête. Alors, est-ce que ça vous correspond la face droite, l'oreille, et est-ce que ça serait un coup de fusil ou autre? S'il vous plaît, répondez-moi si ça correspond. Il y a un truc qui va pas, puisqu'il y a... Je crois qu'il y a le bédo, il y a... Est-ce qu'il y a la drogue? Est-ce qu'il y a tout ça? C'est pas très net, hein, c'est très glauque, hein. C'est pour ça qu'il peut pas rester. Alors, Nadia, Nadi, Samat. Alors, Nadi. Nadi, Samat, est-ce que... Oui, Farid, mais est-ce que c'est votre frère? Et est-ce qu'il y a bien eu ce problème avec l'oreille droite, la face droite? Et comme si c'est... Alors moi, ça fait comme si c'était un revolver, hein, parce que c'est très étrange que j'ai que ce côté-là, et c'est très fort, soudain. C'est d'un coup... Il y a quelque chose qui s'est passé, pardon, soudainement de ce côté-là. Hein. Nadi Samat, 8, si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Alors, mon chéri qui s'est tiré une balle, chasse, et tout son côté droit. Mais il est décédé, hein. Moi, j'ai une personne oh, pardon, décédée. Je suis tellement connecté que j'ai du mal un peu à parler. Nadi Samatuit, vous êtes où? Oui, mais votre frère Farid est décédé. Est-ce que ça correspond à la face droite et l'oreille? Ou est-ce qu'il a fait un AVC comme d'autres personnes le disent? Et est-ce que j'ai une autre personne qui s'est tiré une balle? Parce que j'ai vraiment le coup de fusil quand même, hein. Marie, vous dites attaque de fourgon blindé, lance-roquettes. Alors, est-ce qu'il y aurait deux personnes? Alors, Marie, CNRD. Ah, accident de moto, alors c'est pas ça. Hein. Alors, est-ce que j'ai un Farid? Mais là, c'est pas ça que je ressens. Les personnes qui pensent être concernées. C'est pas la moto que j'ai eue, Nadi Samat. C'est important. Elle est où la personne qui me répondait? Plus vous mettez du temps, plus c'est long, hein. Alors vous, il s'est tué avec une balle. Est-ce que vous savez si ça correspond au visage droit, la partie droite? Et on va voir si c'est Farid, c'est autre chose. Parce qu'il ne faut pas que je mélange tous les défunts quand même. Il y avait une autre personne sur Insta qui disait un Farid ou quelque chose comme ça.
Vous êtes où? Pourquoi vous répondez plus? Ah, et c'est côté droit pour vous, Véronique Martin. Ma sœur, elle est tuée par balle. Non, c'est ma partie droite à moi là. Ah, ça doit être inversé, peut-être, je sais pas. Mais moi, c'est bien ma droite. Pardon. Alors, Véronique. Alors Véronique, je peux pas la demander en vidéo. Si? Véronique, 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 Véronique. Pourquoi je peux pas vous demander? Vous avez tout, Véronique. Bloqué, épinglé, il n'y a pas de... Ben moi, c'est à ma droite, hein. Véronique, je peux pas vous demander en vidéo. Vous pouvez me demander, vous? Je pense que c'est encore sur Insta. Ça change. Je zozote ce soir, je zozote pas d'habitude, c'est pas normal. Bonne nuit, Angel. Oui, mais Marie CNRD, est-ce qu'il y a Farid aussi? Mais sur TikTok, si vous n'avez pas tous les abonnés, ça ne marchera pas. TikTok, ça bloque, il faut avoir 500 abonnés pour passer en live. Et sur Insta, on peut normalement, et je comprends pas, vous, pourquoi c'est bloqué. Il était fumeur, votre mari, Véronique? Alors, c'est sur Insta, il n'y a pas de vidéo, donc c'est juste des commentaires. Donc si vous voulez suivre sur Insta, vous pouvez y aller, c'est Nicolas David Medium. Ah, vous devez être en privé, on me dit, sur TikTok. C'est pour ça que je ne peux pas vous demander. Alors, il a fait une connerie. Ouais, il fumait. Il a fait une connerie, donc elle me répond oui, hein, il fumait, d'accord. Il était perturbé, hein, parce que il y a quand même l'écoute du rap et tout ça. Hein. J'ai vraiment ça. Alors, il faudra voir s'il n'y a pas un rapport avec des amis ou Farid ou autre. Mais j'ai quand même Farid. Alors, je dois avoir deux. Le problème de deux défunts, c'est souvent comme ça, quand ils ont à peu près la même énergie, parce que j'ai quand même Farid qui s'est suicidé. Hein. J'ai vraiment cette personne. Où est-ce qu'il est parti? Ça fait comme un suicide, mais il s'est pas suicidé. Et j'ai quand même le mari de Véro là, parce que je sais qu'il fume, ce monsieur. Farid, lui, c'était le bédo, mais lui aussi, hein, il y avait un côté où il était dans le bédo. Hein. Il est perturbé. Il y a le rap, les deux. Il y a le rap. Alors ça va être et sur TikTok et sur Instagram. Notez pour Farid, le bédo, l'angoisse, le rap, il y a ça avec vous. C'est vous ça? Vous faites quelque chose avec des pluches. Oh, je suis désolé de vous dire ça, mais...
Il me dit, je vois ce que tu fais avec les peluches. Ça correspond à quelqu'un? Ben, je sais pas, c'est bizarre, vous habillez des peluches ou c'est juste pour lui faire des coucous? Je comprends pas. Oui? Oui, quoi? Dites-moi oui et dites-moi parce que c'est bizarre. C'est mon chéri qui avait sa titounette. Mais il y avait Titou aussi? C'était les deux, Titou, Titounette, c'est ça ou pas? J'entends des trucs. Des photos avec les peluches, c'est ça, hein? Oui, il avait une peluche. Ah bon? Il a eu un pro... C'est dingue, hein? Mais il a eu un problème enfant, en fait, votre mari, Véronique. Il n'a pas eu d'enfance, il n'avait pas. Ouais, il n'a pas eu d'enfance, le lien avec la peluche, c'est ça. Hein. Et problème avec son père aussi, énormément. Problème avec son père. Et du coup, il était dans la colère. En fait, elle me répond par message là. Donc, je ne vous mets pas l'écran, puisque vu que ce sont que des messages, ça n'a pas de. C'est pareil que si vous étiez là, que vous êtes là avec moi. Ah, titounette et titouné. Ah, c'est ça. Mais vous mettez des espèces de robes ou quelque chose comme ça? C'est bizarre. Oui, s'il vous plaît, mettez des cœurs, envoyez de la bonne énergie. Ils prennent toute notre énergie, hein. Donc, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble et ça va plus vite. Vous aurez d'autres messages après. Donc, il voulait pas faire cette connerie. Il était en mal-être. Il faut pas vous inquiéter pour lui. Il va monter vers la lumière. Là, il est en quelque sorte un peu dans un entre-deux, en stage. Envoyez-lui beaucoup d'amour et soyez toujours positif comme vous l'êtes d'habitude parce que c'est ça qui l'aide. Plus le fait que vous, c'est mieux que si jamais vous pleurez. Alors, je sais que c'est dur, vous devez pleurer évidemment hein, parce que c'est récent quand même. Mais il faut que vous gardiez votre côté où vous motivez les gens, vous êtes dans l'aide, vous. Donc, il faut que vous restiez comme ça. Elle faisait ça, en fait. Elle fait des photos avec des peluches, apparemment, de ce que je voyais, et c'est juste. Mais moi, ça me paraissait quand même hyper aberrant. Mais pas les cœurs en commentaire, s'il vous plaît, les cœurs sur le côté, que je puisse voir les messages de Véronique. Les cœurs sur le côté droit pour que je puisse voir les messages, s'il vous plaît. Ça va, Cécile? T'es pas trop perturbée? Ma fille s'est mariée, j'ai fabriqué une robe pour sa titounette. Ah, d'accord. C'est dingue parce que moi, je me suis dit, je vais dire une bêtise. C'est pour ça que je vous dis vraiment tout ce que je sens, tout ce que je vois, parce que ça peut paraître bête parfois, pardon du terme, mais ben non, au final, c'est vraiment. Bon, on est 1000. On est 593 sur TikTok et 448 sur Insta, 444 maintenant. Et ouais, mais ils sont beaucoup. Alors, ne mettez pas message, ne vous énervez pas derrière votre écran. C'est normal que les gens souhaitent un message. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable hein, de pouvoir délivrer des messages. Donc, moi, je me dis, je vais pas être dans une énergie négative parce qu'il faut que je sois bien pour vous apporter les messages déjà. Mais vous êtes beaucoup, donc ayez de la distance par rapport à ça. Non, prenez pas rendez-vous, Véronique, ça sert à rien. Vous avez un message là. Vous avez un message. De toute façon, quand ils sont partis tôt comme ça, il faut attendre un an ou deux. Non, je vous ai pas oublié. Alors il y a Farid qui est là. C'est un autre défunt. Farid, il est là. Il a un côté menaçant, Farid, c'est bizarre. Même s'il est gentil dans son être, il a un côté menaçant quand même. C'est un peu noir, hein. Bon, je préfère vous partir, s'il vous plaît.
Seigneur, je ne souhaite pas que cette âme reste. Je suis désolé, je vous passerai pas le message, hein. Merci de me protéger et je ne resterai pas en contact avec cette âme. Vous pouvez partir dans la lumière, s'il vous plaît. Merci. Alors, je n'aurai pas de message de Farid. Je vous ai dit ce que j'avais à dire sur Farid. C'est pas quelqu'un qui me plaît, hein. Je suis désolé. Oui, il va bien, Véronique. Il va bien. Alors, c'était très très noir, c'était pas du tout agréable. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Mais bien sûr que je prie le Seigneur parce que je suis croyant et je crois en Dieu et c'est grâce à lui aussi que j'ai les messages. Alors, Lolo, il dit tout ce que tu as vu est sur l'Insta public de Véronique Balèze. Mais en fait, Lolo, je ne suis pas allé sur l'Insta de Véronique parce que je ne savais pas que j'avais ce défunt. Donc, au lieu de dire des bêtises pareilles, il faut vraiment regarder d'abord. Je suis en contact live et je ne. Est-ce que vous croyez que je vais parcourir les Instagram de chaque personne? Vous êtes 2200 sur Insta et vous êtes 18 500 sur TikTok. Est-ce que vous croyez? Et même là, est-ce que j'ai un portable dans les mains? Les gens, alors. Non, vous risquez rien, vous. Moi, en plus, ça me paraissait super aberrant, donc après, si elle a mis sur Insta. J'irai voir, j'irai vérifier parce que ça me paraissait bizarre, moi. Véronique, il est bien, mais il est dans un entre-deux. Il doit évoluer vers la lumière. Donc, il faut que vous attendiez un petit peu et il faut que vous restiez dans votre énergie positive parce que malgré le fait que vous pleurez, il y a quand même, vous avez un truc avec l'aide. Vous êtes très lumineuse. Donc, continuez comme ça. En plus, il croyait y réchapper, hein, de ce qu'il a fait, hein, parce qu'il voulait revenir en arrière, mais bon, c'est pas possible, évidemment, hein. Alors. Et Véronique, vous avez aussi un. C'est bizarre, il y a toujours ce prénom. Eric, autour de vous. Est-ce que ce prénom vous parle, Véronique? Vous m'avez dit que vous avez une fille tout à l'heure, si je me souviens bien. Alors, les personnes qui se donnent la mort, c'est un peu compliqué. Ils sont vraiment dans un entre-deux pour aller vers la lumière, hein. Véronique, ça vous parle pas, Eric? J'ai souvent ce prénom quand même. Hein. Vers 23h, 23h30, l'arrêt du live. C'est un ami proche, Véronique? Parce que comme on montre beaucoup d'amour, mais d'amour affectif, hein, un amour affection. Est-ce qu'il est là pour vous épauler? Oui, c'est pour savoir s'il l'épaule ou pas. Normalement, oui, hein. Je pense que ça serait bien d'y aller, Véronique, de se voir, tout ça. Mais vous, vous fumez aussi du coup? Parce qu'il y a beaucoup la cigarette quand même. Hein.
Là, je parle toujours à Véronique, hein, c'est pas Eric. On me dit que c'est pour Véronique. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaillait dans les supermarchés, Véronique, ou du commerce ou quelque chose comme ça? Ah, Eric, il peut vous soigner, alors il peut vous aider s'il fait du magnétisme. Hein. Soyez gentil, ne vous énervez pas en disant arrêtez les messages et tout ça. Il faut de la bienveillance, il faut envoyer de l'amour. Sinon, ça va amener du bas astral et c'est pas agréable. Archange Michael, s'il te plaît, viens. Oui, depuis son décès. Ça, c'est quoi, oui, depuis son décès? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans un commerce, comme une supérette ou quelque chose comme ça, Véronique? Alors, j'essaye de faire le contact, je suis désolé, hein, il n'y a pas la vidéo. Il faut que je note votre message. Oh, Véronique Martin 22. Véronique Martin 22. Ah, elle fume depuis son décès, d'accord. Et quelqu'un qui travaille dans les magasins, tout ça? C'est pas pour vous encore. C'est toujours pour... Ma fille travaille dans une grande surface. Ah, d'accord. Et ça, c'est pas dans votre Insta, j'espère, parce que les personnes vont dire... Mais tout ce que je vous dis, les prénoms, tout ce que je sors sur votre vie n'est pas sur Insta, je pense. Bon, dites-lui que ça va aller. Et qu'il faut beaucoup prier pour lui et mettre beaucoup de bougies aussi, hein. Je pense pas que vous avez, écrit une bio dans Insta, comme si j'avais. En plus, on me verrait si j'allais enfin, si sur. On me verrait en train de. C'est bête, mais bon. Après, ils ont le droit de ne pas y croire, c'est pas grave. Alors, non du tout. Il faudra mettre des bougies. Hein. Il faut mettre des bougies, c'est important. Et soyez dans la bienveillance, ne soyez pas angoissé, s'il vous plaît. Parce qu'il va. Ce qui est étrange, c'est qu'il va falloir le laisser partir parce qu'il va rôder quand même autour de vous, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais il faudra le laisser monter. Hein. Oui, ça aide les bougies. En fait, ça leur montre la lumière et il faut qu'ils aillent vers l'amour. Je mets tous les jours des bougies. Bon, c'est super. Soyez toujours dans l'amour et soyez toujours dans la bienveillance, tout ça. Non, mais il faut un peu se justifier. Après, je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur l'Insta de Véronique. Il faudra que je me rende compte. Peut-être je vais être super étonné, mais en tout cas, moi, quand je fais les messages défunts, c'est vraiment des trucs que je sais pas, donc ça me paraît super étonnant. Après, vous avez quand même des prénoms, des lieux, enfin le travail, vous avez plein de trucs comme ça, donc je pense pas que ça soit inscrit dans la vie des gens sur Internet. Et d'ailleurs, vous voyez bien que je recherche pas. Et puis. C'est d'autant plus prouvant dans le sens où justement les défunts viennent à moi et je vous apporte les messages. Alors que peut-être ça existe, je sais pas, hein, mais si ça se trouve, il y a des gens qui font ça. Peut-être que le monsieur fait référence à une personne qu'il a vue, qui lui peut-être va chercher des gens, va regarder, j'en sais rien, moi, les réseaux sociaux ou autres, et puis il va s'adresser qu'à eux pendant les lives et faire croire qu'il est médium. Peut-être que c'est ça, alors que moi, c'est les défunts qui viennent à moi et je vous apporte les informations. Et vous voyez bien si je triche ou pas. Enfin, il n'y a pas de triche, je suis pas magicien. Enfin bon, on a le droit de douter, hein, de toute façon. C'est tellement incroyable, parfois c'est vrai. Même des personnes qui me consultent, hein, ils se disent, ça paraît faux, tellement c'est vrai, tellement c'est puissant. Alors après, comme je dis, c'est pas pour tout le monde pareil. Hein. Y en a, ils vont dire, oh, je vais prendre rendez-vous avec Nicolas, il va me dire plein de trucs. Non. Ça dépend ce qu'ils vont me dire eux de l'autre côté. Donc, c'est vraiment différent pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir de la rétention d'informations parce que justement, ils vont pas être ouverts.
Ça m'arrive, hein, certaines fois, j'ai des gens qui arrivent. Alors déjà, dans l'énergie, ils sont perturbés. Ils n'ont pas résolu leurs propres problématiques. Ils sont pas dans l'amour, ni d'eux-mêmes, ni des autres. Donc ça, c'est ça. Déjà, ça filtre. Je vous en prie, Véronique, je vous embrasse et restez toujours comme vous êtes dans l'amour. Et d'autres qui viennent pour me tester. Et du coup, ils ferment le canal et j'ai moins accès à des informations. Et c'est bête parce que vous prenez une consulte avec moi pour avoir des messages, pas pour être au chaud. Le chaud, il est là. Il est sur les lives. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je m'en moque. Hein. Moi, si vous venez à moi, c'est que j'ai forcément quelque chose à vous dire. Je vous fais le messager. Après, vous venez dans l'énergie que vous êtes. Ah, bon, c'est bien, Véronique. Vous êtes plein d'émotions. Bon, c'est bien. Je suis content. Et c'est vous qui avez aidé votre maman aussi, Véronique. Il y a beaucoup d'aide à la maman. C'est bizarre. Vous êtes très, très maternelle, hein, Véronique. Hein. Non, ben, de toute façon, vous pouvez me croire, pas me croire, hein, mais vous voyez bien que je suis en direct avec vous. Donc, puis vous ressentez les émotions. Ah, je vous en prie, Véronique. Vous avez dû beaucoup prier parce que moi, je suis très relié à la prière. Et peut-être c'est ça qui attire les défunts vers moi, parce que mon énergie est comme ça. Donc peut-être que ceux qui sont beaucoup dans la prière, ça amène plus les défunts à moi, je sais pas. Alors Véronique, juste pour savoir, est-ce que vous avez aidé votre mère? Est-ce qu'elle est très malade ou est-ce que vous l'avez accompagnée au fait de partir? Parce qu'il y a ça en fait. Alors moi, il y a plus le remerciement pour vous être occupé de votre mère, parce qu'il y a vraiment ce... Ou alors il y a une vieille dame qui est comme votre mère. Et vous êtes sa soignante? Ah, c'est ça. J'ai été abandonnée à la naissance. Ah, et est-ce que vous vous occupez d'une personne en particulier qui est comme votre mère? En plus, je savais. Elle était sûre qu'elle était aide-soignante. Ça, vous voyez, je le dis pas parce que je vais pas rebondir. Donc je dis rien. Et on peut pas dire ah mais je savais, non, c'est pas juste ça. Il fallait le dire. Bon après je vous dis quand même des trucs assez incroyables hein, quand même. C'est super précis. Hein. C'est quand même super précis. J'ai vraiment de la chance que ça soit autant précis d'ailleurs. Hein. C'est naturel, hein, c'est pas des facettes. Hein. Oui, vous travaillez en maison de retraite, mais est-ce qu'il y a une dame que vous affectionnez, pardon, plus et de qui vous êtes proche, ou est-ce que vous avez accompagné? Parce que moi, c'est plutôt une dame décédée, en fait, hein, qui remercie comme une mère, en fait, comme toute l'attention que vous avez pu porter à une mère. C'est ça qu'on me dit. Hein. Donc, est-ce que vous avez accompagné une dame jusqu'à la fin? C'est ça qu'on me montre pour savoir si c'est juste le message que j'ai, si ça correspond bien. J'arrive avec les autres défunts. Véronique. En tout cas, j'adore faire ces lives. J'adore être en connexion avec les défunts. C'est toute ma vie, hein, donc. Personne ne me déstabilisera, j'ai tellement fait de choses que... Vous inquiétez pas, je serai là hein, pour vous donner les messages. Personne ne va me déstabiliser, vous savez. J'en ai vu d'autres. Hein. Et de toute façon, même si je devais partir de l'autre côté... Oh là là, j'ai perdu une mamie qui s'est suicidée, c'était ma voisine. Ah ouais, vous en occupez beaucoup alors. Bah dis donc, c'est un peu... Pas évident tout ça, Véronique. Je suis vraiment désolé pour vous, mais vous êtes vraiment un ange de lumière parce que c'est vraiment compliqué. Hein. Merci pour les j'aime, pour les abonnements. Merci pour tout ça. J'ai perdu une mamie qui était ma voisine. Ouais. C'est peut-être pour ça que je vous ai dit ça, parce que est-ce qu'elle se retrouve pas avec votre mari? Est-ce qu'ils sont pas dans cette même lumière? À mon avis, oui.
Parce que tout correspond quand même, hein. N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok, sur Instagram pour avoir les annonces des lives, des contacts défunts. Alors j'essaye de penser sur TikTok de mettre en événement. Oui, la télépathie, ça existe, hein. Et puis voilà, si vous préférez être sur Instagram pour que ça soit plus calme par rapport à TikTok où les gens écrivent plus. On est pareil, on est 549 sur TikTok et 430 sur Insta, donc c'est à peu près pareil. Mais sur Insta, les gens sont plus calmes. Alors j'essaye de venir le plus souvent possible parce que j'ai aussi mes consultations privées, donc si vraiment je suis fatigué, je ne fais pas, je fais pas de live, j'essaye toujours de les annoncer. Alors parfois je suis un peu coquin, je me mets en live sans rien dire. Comme ça, pour ceux qui l'ont pas prévu, ils peuvent avoir des messages. Oui, mais en fait, je ne connaissais pas, oui, j'entends bien. Mais en fait, ils ont dû se retrouver dans la même énergie, c'est ça que je disais. Parce que je n'avais pas forcément de lien avec eux. Bon, en tout cas, Véronique, vraiment un énorme courage pour ce que vous faites et dans votre métier et tout ça. Et vous êtes vraiment un ange sur Terre, donc restez dans cette belle lumière d'aide et occupez-vous aussi de vous, parce que c'est important. On ne peut pas aider les autres si on ne s'occupe pas de soi, hein. Et bientôt, je le dirai dans les masterclass, je vais faire des zooms, donc on sera à peu près 25 par classe. Et je vous donnerai un peu des conseils par rapport à mon expérience pour l'éveil spirituel, pour si vous avez des questions sur la définition de l'âme, la spiritualité ou autre. Et après, il y aura des masterclass un petit peu plus poussées, comment créer sa bulle de lumière pour se protéger, comment capter ou avoir plus de ressenti, etc., etc. Donc, ça sera à peu près 25 euros par personne, je crois, parce que ça va durer à peu près entre 1 heure et demie et 2 heures. Mais ça sera en Zoom, donc en vidéo, et je vais pas louer de salle, donc ça sera forcément pas aussi cher qu'en salle. Alors, merci Véronique. On a fait deux défunts et Farid qui est parti parce que je l'ai fait partir. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors parfois, vous avez des... Alors, je pense pas que ça soit Farid en lui-même, hein. Je pense que ça soit... Il y a eu des âmes intrigantes, on va dire, du bas astral qui étaient un peu autour et j'ai fait partir ça. Parce que dès qu'on parle de drogue, de tout ça, ça attire le bas astral. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, je m'en protège. Donc, pour tout ce qui est questions sur les masterclass, tout ça... Il faut être abonné sur Insta. Je vais partager des posts et puis je vous dirai comment ça se passe. Explique un peu ce que tu fais. Pour la médiumnité, Cécile, tu veux dire? Merci Véronique pour les cœurs. Ah, avec Farid. Alors, ah. Enfin, avec Farid ou ce bas astral, parce que moi je prie, donc je demande à mes anges, à Dieu, aux saints, aux saintes, à l'archange Michael, de venir me protéger, de m'englober de lumière et d'amour, et de faire partir ces entités. Alors, moi je dis plutôt de les faire partir vers la lumière, comme ça ils ont une chance entre guillemets d'être sauvés et d'aller vers l'amour divin, dans l'amour, dans le positif, et pas rester dans le négatif. Donc je demande d'aller vers la lumière, c'est comme être quelque part un passeur d'âme, mais là c'est pas un passeur d'âme puisque l'âme a un libre arbitre et elle ne veut pas aller vers cette lumière, mais moi je lui montre cette lumière et je lui dis de me laisser en paix surtout parce que moi je suis avec la lumière blanche d'amour divine qui vous apporte les messages. Donc je me protège. D'ailleurs, on a fait en 1 h 20, on a fait deux dessins. Alors, c'était pas Farid en lui-même qui était méchant, mais je pense qu'il était entouré d'entités un peu négatives autour de lui. Alors, c'était pas lui hein, qui était méchant, puisque j'avais vraiment passé un message vite fait, s'il te plaît, à ma sœur. Mais après, il a été entouré de négativité, donc autour de lui, et du coup, j'ai dû faire partir. Alors, est-ce que c'est le fait que de son vivant,
Il a fumé le bédo, est-ce qu'il a touché à la cocaïne ou autre, je sais pas, à des drogues en tout cas. Ça attire beaucoup le bas astral. Mais ça ne veut pas dire qu'en soi, ce sont des personnes intrinsèquement négatives, hein. Ça peut être une âme perdue et du coup, le bas astral vient l'embêter également, hein. Mais ça ne veut pas forcément dire que Farid est un mauvais garçon, hein, pas du tout, hein, ou une mauvaise âme, hein. C'est pas du tout ça, hein. Mais il peut être plus embêté. En fait, quand vous avez eu un parcours sur Terre un peu alambiqué, que vous vous êtes retrouvé malgré, enfin, que vous êtes retrouvé dans un peu le cannabis, tout ça, mais parce que vous voulez échapper à vos propres démons, parce que vous êtes angoissé, parce que vous n'avez pas forcément eu une belle enfance, et bien vous tombez dans ça, mais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément un méchant garçon, et ça ne veut pas dire que vous tuez des gens aussi, hein. Mais du coup, une fois de l'autre côté, ça va attirer beaucoup le bas astral. À part si vous avez fait des choses de votre vivant, vous avez sauvé la vie de quelqu'un, vous avez aidé les autres, mais vraiment de votre plein gré, sans avoir un retour, là, vous allez dans la lumière, hein. Oui, 22h22, ça va être sympa, ça. Ils sont là, les anges. Alors, le bas astral, c'est les entités négatives. En fait, plus c'est négatif et plus c'est mauvais, plus c'est proche de nous. Alors que plus on est dans l'amour, plus c'est élevé. Non, ils peuvent rester. Alors, en année terrestre, ça dépend, hein. Ils peuvent rester à un moment, hein. Ça aussi, je répondrai à vos questions lors de masterclass, parce que il y a plein de personnes qui ont des questionnements. Alors, les anges. Les anges de l'amour. La pauvre Véronique, bah, dis donc. Alors oui, il faut que je revienne sur ça. On me dit, oui, je reçois les messages des animaux, Aurélie. Alors c'est pas des grands messages, hein, c'est pas des grands discours, hein, mais oui, je reçois les messages des animaux. Parfois, je dis, mais vous avez eu un chien blanc qui est là à côté de moi et vous dit merci pour ce que vous avez fait pour lui, etc., etc. J'ai toujours la personne avec la balle qui rentre dans l'oreille, enfin, ou la partie droite. Ça, c'est ma partie droite. Ça, c'est ma main droite, la partie droite où il y a un problème. Mais c'est quelqu'un qui est décédé, hein. J'ai pas quelqu'un de vivant, hein. Quand tu touches beaucoup à l'alcool, oui, tu peux attirer le bas astral. Parce qu'en fait, vous êtes dans une faiblesse, vous êtes perdu entre le vrai, le faux, l'amour et le non-amour. Et du coup, ils viennent vous embêter, en fait. Ils veulent vous attirer à eux. C'est plus facile pour eux. Je crois pas que je l'explique ça, comment les gens ils viennent à moi, je sais pas. Comment les défunts ils viennent à moi, je sais pas si je l'explique dans mon livre, je me rappelle plus. Pourtant, ça fait qu'un an et demi que je l'ai écrit. C'est vrai, oui, parce que j'ai vraiment le fait de quelque chose qu'on tire et on me montre quand même ou un fusil ou quelque chose comme ça. Hein. C'est un homme, oui, c'est un homme. Là, c'est le fusil, là. J'ai vraiment comme si on me faisait ça. Je suis désolé, pardon, hein, s'il y a des jeunes. J'ai pas le prénom. Bonne soirée, Aurélie. C'est pas une femme, hein. C'est un homme. Le chuchotement des anges, pour ceux qui redemandent. Vous tapez Nicolas David Médium, le chuchotement des anges, vous le trouvez. Hein. Ah oui, il y avait l'histoire du fourgon. Alors, c'était quoi cette histoire du fourgon? Je pense pas que ça soit une chute. Hein. J'ai vraiment comme si j'ai une balle qui me transperçait l'oreille. Math 33. Alors, il faut vraiment que ça soit le côté droit, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a Marie qui parle?
Alors, Marie, vous dites attaque de fourgon, mais est-ce que la personne est décédée? Alors, bulle de bonheur. Alors, le visage atteint par la lance-roquette. Mais est-ce qu'il est décédé? Ah, il est décédé, hein. Alors, et vous, votre oncle? Alors, je peux avoir deux défunts en même temps, hein. Alors, vous, c'est dans la tête au commissariat. Moi, il faut vraiment que ça soit visage droit. Côté droit. Mon oncle est décédé par balle. Ah ben, dis donc, on va pas avoir 10 défunts quand même. On va pas avoir 10 défunts qui correspondent. Alors, les anges. Il faut que je me concentre là pour avoir plus de signes. Alors, balle. Oreille droite, visage droit. Bon, j'entends Martin. Je pense pas que ça soit le prénom, hein. Peut-être ça peut être un nom ou il peut y avoir un rapport, hein. Alors, Martin, balle, oreille droite, visage droit. Martin, donc c'est homme. Il s'est pas suicidé, c'est pas quelqu'un qui s'est suicidé, hein. Ça lui est arrivé d'un coup parce que c'est vraiment un choc. Il y a Isabelle aussi en prénom. Alors, est-ce que ça vous parle? Alors je répète, j'ai balle, oreille droite, visage droit, j'ai homme, c'est pas un suicide, donc on enlève les gens qui se sont suicidés. Hein. J'ai homme, j'ai Martin, alors est-ce que c'est le nom, est-ce que c'est autre chose, je sais pas. Et Isabelle. C'est pas voulu là, hein. C'est vraiment pas voulu. Et Isabelle, 71, est-ce que ça vous correspond ce que j'ai dit? Parce que j'ai pas suivi, moi, j'ai pas regardé, hein. Je pense que c'est une erreur, je pense. Alors Isabelle, elle est où? Marie, pourquoi vous écrivez Martin? Marie, c'est NRD. Marie, pourquoi vous écrivez Martin, le nom que j'ai, enfin le prénom que j'ai mis? C'est pas une chute, hein. Ah, apparemment, vous mutez pour rien, les modérateurs. Il y en a plein qui sont sur Insta et qui râlent. Alors, Marie, pourquoi vous me dites Martin? Je vais la prendre en live, hein. Alors, Marie. On va voir si elle est disponible.
Alors, il mute les messages qui n'ont rien à voir avec les demandes. Une erreur dans une publique présente? Pas de Martin. Une erreur dans une publique. Oui, on comprend pas quand vous parlez, Marie. Bon, on va essayer d'être plus précis encore. Alors. Martin, on va mettre entre guillemets. Balle à l'oreille droite, les anges, monsieur, dites-moi. C'est bizarre que j'ai plusieurs prénoms. Il y a Odile maintenant en prénom. Odile. Il y a Odile. J'ai quand même Isabelle Audi. Odile. Et vous dites Isabelle, c'est sa sœur. Vous voulez pas venir en live, Marie? Vous pouvez pas faire le direct? Marie, vous pouvez pas faire le direct? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à demander au modo comment ça se passe. Vous pouvez faire le direct ou pas, Marie? Ouais, parce que sinon c'est trop long les messages. Ah! Qu'est-ce que j'adore! Attendez, je vous retourne l'appareil. Voilà. Donc c'est Marie, du coup. Ah, répétez-moi, parce que moi je me souviens pas de tout quand je suis connecté et ici et là-bas. C'est compliqué en plus avec tous les messages. Donc je vous disais, il y a balle, comme si ça rentrait dans l'oreille droite d'un coup. J'ai le visage droit, côté droit. Ça part en fait. Hein. J'ai vraiment, je suis pas bien. C'est comme si c'était tout fissuré. J'ai homme, pardon. En fait, j'ai mon oncle qui a été assassiné par une attaque de fourgon blindé. Oui. Donc, il a eu la moitié du visage abîmé par un tir de lance-roquette sur le front. Et il est décédé sur place. Ah, d'accord. Et Martin, Isabelle, Odile, tout ça, ça ne vous parle pas. Si Isabelle, vous m'avez dit, c'est sa sœur? Isabelle, j'ai bah, sa belle-sœur qui s'appelle Isabelle. Sa Mais belle-sœur? par contre, Martin et Odile. Et Martin, ça peut pas être un nom ou c'est bizarre, Martin. Pourquoi il y a ça? Et j'avais la Corse aussi. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec la Corse pour lui ou pour la famille, ou est-ce que quelqu'un va en Corse ou il y a un lien avec lui, hein? Ça me dit rien. On est du Nord, donc c'est Ouais. important. Ça remonte aux années 2000, 99 ou 2000. Ouais, peut-être. Enfin, c'est des signes pour que vous vous rappeliez, pour que bien je sois bien avec lui. En fait, il vous montre qu'il est bien présent et que je peux pas deviner en fait tout ce que je dis. C'est pour ça en fait qu'il montre ça. Quand je donne les messages comme ça, précision de date ou autre, c'est pour ça. Mais la Corse, ça me parle tout. Ah, vous me dites que ça remonte à longtemps, cette histoire? En 99. Ah ouais, c'est vieux. D'habitude, j'ai pas
des messages de personnes qui sont parties de si longtemps. C'est bizarre. Donc, Ah, c'est peut-être pas lui, après il y a peut-être une coïncidence avec quelqu'un d'autre. non, je pense pas. Alors, et vous, il y a le manque d'amour. Je pense que c'est aussi ça. Il y a vraiment ça. Il y a le manque d'amour. Ils viennent toujours quand il y a un manque d'amour, quand il y a une angoisse, quand il y a quelque chose. Est-ce que vous avez une fausse couche ou quelque chose comme ça? Je suis désolé, hein, mais c'est l'image que j'ai dans la tête, comme s'il y avait du sang qui partait d'en bas et que c'était incompris. Donc c'est pour ça que je me permets de vous demander ça. Est-ce qu'il y a eu un problème à ce niveau-là? Ou vous pouvez me dire non, hein, mais j'ai cette image-là dans ma tête, moi. Hein. Pour moi, non. Non, pas actuellement, hein, mais avant. Non, mais même avant. Alors, pourquoi il me montre ça? C'est important, le sang. Le fait de pas être dans l'amour aussi, angoissé, ça c'est important. Alors, attendez, vous me dites Marie. Ah, moi, je vous écoute, hein, monsieur. Et c'est votre papa qui est parti? Quel est l'homme proche de vous qui est décédé? Il y a quelqu'un qui est... Mon père, Parce que... Ah, c'est ça. Hein. très Parce qu'il disait comme j'étais... Alors, comme j'entendais proche de son père, je savais pas si c'était dans l'énergie ou si c'était... Non, c'était pas du vivant. C'était pas forcément du vivant. Et Pierre, c'est qui Pierre? C'est dingue. J'ai ses prénoms, il va falloir que vous cogitiez. Et là, j'ai le goût de la... Je crois que c'est la bière. Mais c'est la bière, il y a un parfum, il y a un truc avec la bière. Ah, j'ai ça dans le... la tourelle, la tourtelle, un truc comme ça. Et une bière au citron, quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ça se trouve, je suis en connexion avec un autre défunt. Ça vous parle la bière? peut-être non, puisque ça remonte loin, donc c'est compliqué. Ouais, Je ouais, ouais. sais que Est-ce que ça vous parle sur les chats, sinon tout ce que je dis là? Ah, j'ai vraiment ça, je suis désolé, j'ai vraiment le goût de la bière, c'est incroyable. Mais une bière comme s'il y avait du citron, alors ah, ça peut être la. Bon, je bois pas trop de bière, la DSP ou je sais pas. Ah, Tortel Twist. C'est bizarre parce que j'ai Pierre et maintenant j'ai Lara. Lara, ça existe en prénom? C'est pas Laura, c'est Lara, je crois. Ou alors je deviens boucher, c'est pas possible. Lara. Lara? Bon, on va voir si ça correspond à quelqu'un d'autre, hein, parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de trucs qui vous correspondent. Hein. Moi, ouais, c'est ce que je vois aussi, ouais. D'habitude, c'est. À part À part le visage, la le situation, tout visage. ça, ouais. Et le fait que votre père, il soit parti aussi il y a longtemps. Mais il n'y a pas autre Ouais. chose. Ouais, il m'en parle il y a longtemps, je l'ai quasiment pas connu, donc. Ah ouais. Et est-ce que vous avez fait un... pas une étude sur vous-même, mais par rapport à l'amour, parce qu'il y a ce sentiment esseulé quand même à l'intérieur de vous. C'est comme si j'avais une plante. Et que je lui donnais pas trop à boire, en fait. C'est un peu ça, comme si vous étiez un peu desséché. Peut-être parce que j'ai pas connu mon père et que c'est vrai que ça m'a manqué, quoi. Eh ouais. J'ai eu un beau-père, mais j'ai grandi sans mon père. Eh ouais, peut-être c'est ça. Il va falloir peut-être travailler sur ça, hein, alors. Ouais, c'est vrai que Pour pouvoir vous c'est un ouvrir peu et tout. solide. Même si j'ai grandi avec un beau-père, j'aurais toujours voulu connaître mon père. Ah. Et du coup, vous savez si vous avez un demi-frère ou un frère? Des demi-frères, oui. Ah, c'est deux demi-frères? Ah, c'est ça. Il y a quand même quelques infos qui passent, hein, mais pas toutes. Ouais, c'est dingue. Je vais voir. Alors, je suis désolé. Est-ce que je peux vous laisser vu qu'il y a des personnes qui me disent, moi, ça me correspond pour pouvoir leur donner le message? Bien sûr, pas de En tout cas, je souci. suis très content de vous avoir eu. Vous n'avez pas eu grand-chose.
Mais essayez de vous sentir un peu plus libéré, en harmonie, dans l'amour, tout ça. Pardon? Ça fait un petit peu quand même. Ça fait un petit peu par rapport à tout le monde. Vous êtes 1000 personnes, ça fait un petit truc. Alors moi, ça vous connectera un peu au spirituel, à l'au-delà, tout ça. Vous allez y croire de plus en plus. Je vous embrasse. Merci, au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Vous aussi. Alors, vous disiez à qui ça correspond dans le chat? Alors, je ne sais pas comment on arrête, je vous laisse arrêter. Alors, hémorragie. Alors, Odile de Corse. On va essayer de lancer un direct avec Odile de Corse. Il y a Sagal aussi, 509. À qui ça correspond? Qu'est-ce qui vous correspond, Sagal? Tout? Alors, on va faire l'inverse maintenant. On va passer sur TikTok. Alors, demandez-moi en live, je peux pas le faire. Je vais vous montrer. Mon nom de famille, c'est Martin. Elle veut aller en Corse, ma nièce Clara, et j'ai mon père qui aimait la bière. Ça peut correspondre. Il n'y a pas les anneaux. Moi non, enfin, moi j'ai les anneaux là en bas, mais quand je vais sur son médaillon, je peux pas la demander en live. Ça me met d'autres trucs, mais pas du tout pour le live. J'ai changé de voix. Ah bon? Je m'en rends pas compte. J'ai changé de voix à un moment donné? Ah vous, toi, t'as pas les anneaux? Est-ce que ils n'apparaissent pas? Ben moi, je les ai, hein. Alors. Ajouter un autre. Alors, est-ce que peut-être il faut que je le permette? C'est bon, c'est permis. Le live est permis. Les anneaux, c'est permis. Merci pour les 351 000 j'aime. Odile. Enceinte directe. Attendez. Alors, on va rebasculer. Et Saga, en attendant, regardez. Alors, retournez. Alors, Odile, vous êtes où? Je vous ai demandé, hein, Odile. Lancer un direct. Alors là, c'est les gens qui demandent. Je l'ai pas. Vous voyez comment ça marche? Vous avez un peu les coulisses de Instagram. Ah! Bonsoir Odile. Bonsoir. Vous allez bien? Alors qu'est-ce qui vous Ça parle? va Parce que moi nickel, j'ai sans oublié. les Ah! Covid. Ah! Désolé. J'espère que vous allez bien vous en remettre. Oui, ça va, Voilà. ça va. Donc je suis avec Odile. Odile, qu'est-ce qui vous parlait? Parce que moi j'étais avec une autre personne. Bah juste Odile de Corse et puis comme quoi que Et Lara, il y avait Lara. Laura, c'est Ah, Laura. également Laura, oui. Et pas Pierre, ni Isabelle, ni Marie. Non, non, non. Ni Martin. Non plus. Je vais avoir plein de Des personnes. histoires de balles, pas de tout ça. Il n'y avait pas la bière, j'ai pas dit la bière à un moment donné. Pierre. Bah, mon père buvait, mais je ne sais pas ce qu'il buvait exactement. Ah. Et alors, c'est vous, c'est votre fille, c'est Laura, c'est votre fille? Non, c'est la fille, c'est ma demi-sœur. Ah, demi-sœur. Et vous, pourquoi? Vous avez failli être enceinte et ça, il y a un truc qui va pas là. C'est vous le Oui, problème aussi? j'ai fait un IVG. Ah, c'est ça.
Parce que ça me disait ça, c'était bizarre. Mais il y a quelque temps, c'est pas maintenant. Ouais, c'est pour vous donner, toujours c'est les signes pour vous montrer qu'ils sont bien avec vous en fait, hein. Alors, et pourquoi la Corse? Expliquez-moi en attendant, comme ça je me connecte. Ben, parce que je vis en Corse. Ah, d'accord. Oui, effectivement, c'est plus simple. Et c'est toujours pareil. Quand ils se connectent, c'est toujours ça. Il y a le manque d'amour chez vous, Odile. Donc, il y a le regret de ne pas avoir la famille idéale, tout ça. Alors, la famille idéale, ça ne veut rien dire, hein. Mais il y a vraiment ça. Mais pourquoi on montre le chien? Vous avez déjà eu un chien ou c'est un projet d'avoir un chien? Il y a Non, j'en l'animal. ai. Oui. Ah, donc vous l'avez déjà. J'en ai deux. Alors, ok. Les anges. Et Jean, Jean quelque chose. Alors c'est quoi Jean-Claude? Non, c'est pas Jean-Claude. Jean-Marc, peut-être. Ouais, il y a un Jean, il y a un. Ça c'était quoi? C'était un ancien ami ou un ancien. Jean-Marc, c'est mon petit frère, un de mes petits frères, mais il est décédé. Oh, dis donc, plus cher, pardon. Parce qu'on dirait qu'il y a plein de monde qui sont agglutinés autour de vous pour vous envoyer énormément d'amour, parce qu'il y a cette tristesse du fait d'être esseulé, et comme si on n'avait pas accès au bonheur. Et Ouais. c'est comme si c'était pas pour vous, quand vous n'avez pas choisi, ou que vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug. Oui, c'est vrai. Alors. Il n'y a pas que Jean-Marc. C'est Jean-François, je crois. Non, ça je... Alors Jean-François, ça je pense que c'est au niveau cœur. Donc je pense que c'est une rencontre. Il va falloir que je note votre pseudo pour pas oublier. Quel est votre pseudo Instagram, Odile? J'y vais jamais, là je me suis Ah ben je mis regarderai tout à à l'heure, c'est pas grave. Jean-François, il y a le cœur. Donc, est-ce qu'il y aura une rencontre? Est-ce qu'on vous l'envoie? C'est dans le domaine affectif, ça. Mais même après, dans le... Ils me disent même, elle n'est pas heureuse parce qu'elle devrait partir, elle devrait déménager, elle devrait changer d'endroit parce que là où elle est... Alors, c'est bizarre, la Corse, c'est hyper lumineux, mais apparemment, il y a un manque de soleil. Il y a un... Vous n'avez pas la lumière là où vous êtes? Je comprends pas, hein, parce que la Corse, pour moi, c'est lumineux. Mais Dans mon appartement, bon, il est-ce n'y que a pas c'est que le soleil petit? qui rentre. Est-ce qu'il est Non, c'est petit? très grand. Non, il est grand. Alors pourquoi il n'y a pas la lumière? C'est comme si... Non, il me dit qu'il y a un problème de luminosité. Pourtant, la Corse, c'est l'inverse, c'est bizarre. Peut-être dans mon appartement, il n'y a pas trop de soleil qui rentre. C'est pas très... C'est C'est... grand, mais... Ou c'est engoncé, ou je sais pas, il y a... Il me Il n'y dit, a pas vraiment le soleil qui rentre. Alors, je ne sais pas, je dois être mal située ou... ou est-ce que vous êtes au nord, ou je sais pas. Vous avez des problèmes d'humidité ou quelque chose comme ça ou pas? Dans la salle de bain. Oui, ça c'est normal à peu près, ouais, presque tout le Oui, monde, j'ai les voilà. infiltrations d'eau aussi, oui. Ah oui, donc ça correspond bien quand même. Ça correspond bien. Donc en tout cas, ils disent, ils sont là. On est vraiment désolé pour ce parcours de vie que tu as eu. Il faut vraiment que tu prennes conscience qu'on existe, qu'on est là, et il faut que tu crois, il faut que tu crées des objectifs en fait. Il faut vraiment prévoir l'amour, se dire que je vais rencontrer, avoir confiance en soi, etc., etc. C'est hyper J'ai déjà important. quelqu'un dans ma vie. Ah, c'est bien. Alors dites-moi. Vous voyez qu'on peut se tromper. Dites-moi. Non, j'ai déjà quelqu'un, oui. Dites-moi le Bon, prénom. Eric. Ah oui, alors, tout le monde il s'appelle Eric, j'ai l'impression. Tous les gens que j'ai en live, leur homme s'appelle Eric. Alors, est-ce que vous n'avez C'est pas dommage. forcément l'affection que vous attendez, alors, par le fait d'être esseulé comme ça? C'est plutôt moi qui ai du mal à m'ouvrir en fait. Ah, d'accord. Et lui Voilà. aimerait Moi, je suis plus. quelqu'un de plutôt passionné et du coup, je m'essouffle vite en fait. Ah, vous êtes comme ça. Alors, les montagnes, ça monte, ça descend. Excuse-moi si j'ai trop d'histoire avec la personne, après j'ai des problèmes avec mes sentiments. Ah, d'accord, ok, c'est pour ça. Et en fait, du coup, est-ce que là, parce que pour ressentir le fait que vous soyez esseulé, est-ce que du coup vous êtes moins dans l'amour?
en ce moment. Oui. Ah, et Oui, vous parce que po pour l'instant, ça fait longtemps que ça dure. Hein. et vous posez la question de savoir si vous séparez ou pas, ça vous est venu à l'idée quand même. Parce Oui, que c'est ça. généralement, je me trompe pas quand même dans mes ressentis. Donc c'est pour ça que j'aimerais savoir si ça correspond bien. Je sais pas la décision que je dois prendre, en fait. Ouais, vous êtes sur pause, ouais. C'est pour ça qu'ils viennent à vous. C'est pour ça. Et il y a ce, et il me répète pareil. Il me dit, il y aura Jean-François. C'est bizarre, hein. Vous êtes avec un Eric, mais. Je connais pas. Peut-être un Pas peu, mais encore. pour l'instant. Pas encore. Et Gaillard, Galiard. J'ai ça. Oh, mon Dieu, si vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Gaillard ou Galiard. Galiard, j'ai un truc comme ça qui me vient. Ça m'est arrivé, hein, de dire déjà des noms, des prénoms. Hein. J'ai déjà dit des trucs. Ça me donne peut-être une piste. Hein. Ça vous donnera une piste pour revivre une Je sais passion pas. et être de nouveau J'y penserai du coup. un peu plus pimpante. Comme ça, vous sentir plus aimé dans l'amour et tout ça que d'être plus que là, le fait d'être sur pause. Voilà. Les gens. Alors, qu'est-ce qui vous attire? Ça, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous attire sur les lives? Le fait de pouvoir avoir un message ou est-ce que c'est intéressant de Parce que regarder? moi, je crois tout ça. Oui, je suis un peu. Je crois qu'ils ne sont pas morts et qu'ils sont toujours là, tout ça. Je crois beaucoup à ça, moi. Et Il y a vous, beaucoup et d'anges est-ce que chez vous moi, pensez comme j'arrive pas à moi? bouger. Ah ouais, est-ce que vous pensez comme moi que votre IVG c'était une fille? Et je ne sais pas, parce que j'ai fait vraiment tout. Mais vous n'avez pas eu un sentiment ou un truc un jour de vous dire moi je sais que c'est une fille en tout cas. Hein. Ah non, je sais. Moi, j'ai jamais eu de sentiment, en fait, par rapport à ça. En fait, je voulais, mais comme par rapport à mes problèmes de santé, j'étais tellement fatiguée que je parce que j'ai des problèmes de cœur. Et du coup, je supportais pas la grossesse et je me suis fait avorter parce que j'ai déjà deux filles et un garçon et je voulais pas qu'il m'arrive quelque Ah ouais. chose. Ah, c'est dingue. Hein. En tout cas, ça met les larmes parce que je sais que c'est une fille et qui est présente. Et vous savez qu'ils grandissent de l'autre côté. Enfin, c'est une âme, hein, avant tout. En tout cas, vous Mais par pouvez. contre, il n'y a pas si longtemps, je me suis excusée d'avoir fait ça, quoi. Toute seule, je me Ah. parle des fois. C'est bien. Ben, vous pouvez faire ça. C'est beau, hein. C'est des intentions d'amour, ça. Quand vous êtes dans l'amour comme ça, c'est beau. Il faut le faire. C'est important. Voilà. Parce qu'après, on est un peu sur la conscience quand même. Ouais, mais vu que vous, vous pouviez pas, c'est pas grave, dites-vous que c'est pas grave, il faut jamais avoir des regrets et pas culpabiliser, et Oui, mais surtout. on sait qu'on a tué un ange qui a voulu se réincarner parce que pour moi, c'est Oui, ça, en fait. c'est ça, exactement, mais Oui. quand vous, vous faites comme vous la démarche dans l'amour, après, ils acceptent, c'est bizarre, c'est comme si ça effaçait parce que c'est une prise de conscience. Donc c'est très bien ce que vous avez fait. Oui, une IVG, j'ai compris, oui, En tout Caro. cas, oui. Ben voilà, maintenant, vous allez voir si jamais il y aura le fait de prendre un autre chemin, tout ça, vous verrez, mais soyez sereine en tout cas. Hein, Ben, Odile? j'essaye, hein. J'essaye de faire des méditations, C'est bien. de travailler mon chakra du cœur, tout ça. Vous faites un peu les cartes? Vous avez Oui. essayé? Oui, je le fais, je le fais. Demandez Moi, je suis pas toujours. très forte, hein, Ouais, mais mais faites, j'essaye. demandez toujours la protection, tout ça. Et surtout, c'est pas intellect, hein. Faites toujours avec votre cœur. C'est important. Oui, ça, il faudrait que j'apprenne à lâcher prise, en Parce que fait. c'est, ouais. Parce qu'en fait, là, en ce moment, quand vous êtes bloqué, que vous êtes sur pause dans l'émotion, vous pouvez pas forcément bien interpréter les cartes ou les oracles ou autre. Parce que, avant tout, la connexion, c'est l'amour. Donc, si vous voulez vraiment avoir plus d'intuition, ou comprendre ces cartes, ou comprendre les ressentis, essayez de vous détacher de votre situation actuelle et d'être dans l'amour. Alors peut-être comme quand vous avez demandé le pardon, ou que vous vous excusez pour ce que vous avez fait. Voilà, vous avez cette énergie d'amour et c'est ça que je répète à longueur de temps. Et là, vous pouvez capter plus de messages. Quand je viens vers vous, j'ai énormément d'empathie parce que ça me touche énormément. Je fais pas juste ça pour montrer mes capacités ou autre. C'est vraiment Oui, pour ça vous se voit. aider. Ah oui, c'est vrai. Vous le sentez parce que Mais parfois les gens ils sentent vous pas. dégagez, si, vous dégagez beaucoup de, je sais pas, vous avez des bonnes ondes. On me dit je suis apaisant souvent, alors j'espère que les gens ne vont pas Oui, c'est s'endormir. vrai. Ça se voit que vous avez beaucoup d'amour, en fait. Vous Là, ouais, dégagez ça me touche. le, Hein. oui.
Parce Parce que que je je... regarde souvent, hein, les lives, hein, ça fait déjà quelques fois que je regarde. Ah, c'est top, c'est gentil. Vous avez vu tout ce qu'on peut avoir, hein, c'est incroyable, hein, tous les C'est messages. impressionnant, ouais. Et moi, j'y crois à ça, donc j'ai pas de problème avec ça. Ah ben c'est pas triché, hein, je peux vous dire que ben, je ne connais pas Non, ça Odile se qui est voit. de Corse et je ne peux Mais pas on sait pas savoir avec sa qui on vie. parle, là, en fait. Pardon? On sait pas avec qui on parle, là, maintenant. Alors je sais que j'ai eu... Donc il y a mes guides, des anges. Il y a eu à peine Jean-Marc, c'est ça? C'était très furtif, Jean-Marc, c'est mon ça. petit frère. Ouais, ça c'était très furtif. 14, c'est quoi comme chiffre? C'est un âge? C'est à 14 ans que vous arrivez quelque chose ou c'est quoi 14? À 14, c'est 14, le 14 février, c'est le jour de mon IVG. Ah, donc vous voyez, je pense que ça doit être plus votre petite alors qui vient vous parler. Vous allez me faire Bah, c'est pleurer. marrant, ça. Vous allez me faire pleurer parce que c'est toujours hyper précis, ils sont toujours dans l'amour et tout. Donc vraiment, vous pouvez déculpabiliser. Je pense que le message que je vais vous apporter, c'est on a bien pris en compte ta demande et tu peux rester sereine dans l'amour et sois heureuse. Vraiment, je vous assure, c'est ça. C'est gentil, c'est Donc touchant. déculpabiliser. Vraiment. Vous allez me faire pleurer. Bon, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie. Et puis, je vais continuer à vous regarder. Et puis, merci beaucoup. Merci. Vous me touchez beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir, revoir. Odile. C'était beau, les messages d'Odile. Ça m'a beaucoup Je sais pas touché. comment on raccroche. Alors, je pourrais pas vous dire parce que je sais pas. Il n'y a pas une croix. Moi, il n'y a rien qui apparaît, moi. Ah, ça y est, Odile est partie. Ah bon. Non, Odile, juste, vous avez juste enlevé la caméra, Odile. Ouais, mais je sais pas comment on fait. Bon, je Je voulais. suis pas douée avec ça. Alors là, il n'y a plus le son. Là, ça y est, il y a le son qui est revenu. Est-ce que quelqu'un sait pourrait nous aiguiller Je sais pour pas du Odile? tout. Ou alors peut-être il faut appuyer sur la croix en haut, quitter le live et revenir, peut-être, je ne sais pas. Alors, vous êtes là? Vous êtes encore là? Il est 23 h déjà. Alors, Odile, il faut, je suis désolé, je cherche le prénom, le pseudo d'Odile. Ah voilà, Odile 772B. Alors, bon, ça vous a plu? Alors, j'ai aperçu, il y avait Éric Gaillard ou quelque chose comme ça, parce que j'avais le prénom, j'avais le nom Gaillard, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu plein d'anges ce soir. N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok et Instagram, hein. T'as vu comme je suis en forme? J'arrête pas. J'arrête pas. Pour tous ceux qui disent que c'est faux, on voit bien que c'est pas faux quand même. Oui, les lives sont gratuits, mais vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre sur Instagram, Nicolas David Medium, vous pouvez me suivre sur TikTok, Nicolas David Medium off, pas Ofi, pas Ofa, pas Medouim, tous ces usurpateurs qui veulent vous demander des sous, faites attention à vous, ce n'est pas moi qui vous contacte en message privé. Son de famille, c'est Gaillard. Il y a un truc avec Gaillard, hein. Je dois avoir quelque chose à dire. Et vous, c'est le nom de l'ancienne prof. Je sais pas pourquoi j'ai ce nom, c'est bizarre quand même, hein. Le livre, c'est le chuchotement des anges. Merci beaucoup, Isienko. Donc, ne vous faites pas avoir. Vous êtes plus de, je sais pas, 18 500. Je sais pas combien on est. On doit être 19 000 sur TikTok. Donc 19 000 et 2 200 sur Insta. Vous doutez bien que je vais pas. Vous contacter directement et vous proposer mes services. Donc, ce n'est pas moi. Vous n'avez pas rendez-vous avec moi si vous n'avez pas reçu une confirmation avec moi de ma société Nicolas David Medium. Ne vous faites pas avoir surtout. Et je vous dis, je vous menacerai pas avec de la magie noire. Je ne fais pas de magie. Je ne suis pas marabout.
Ah, il y a un Rémi Gaillard qui fait des vidéos YouTube? Je savais pas. Ah, vous avez été contacté, oui. Mais je pense que ça doit se sentir parce que la personne, elle doit pas être très douée dans les messages. Qui a dit ça à plus de 1000 personnes? Alors, est-ce que vous êtes abonné? Alors, tu les entends comment? Mais j'arrive à faire la distinction entre ce monde-là et l'autre parce que je berce dans l'autre monde depuis des années, des années, des années. Alors, est-ce que vous jouez tous le jeu de vous être abonné au compte Nicolas David Medium Off et à Nicolas David Medium sur Insta? Normalement, on devrait presque arriver aux 20 000 sur TikTok. Ça va être sympa. Alors après, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein. Ah oui, n'oubliez pas, par contre, pour ceux ou celles qui veulent revoir les directs, s'il n'y a pas de bug avec TikTok, donc je l'enregistre normalement dès le lendemain et puis mon assistante, elle le mettra sur la chaîne YouTube. C'est facile, Nicolas David Medium. Ça s'appellera toujours Nicolas David Medium. Comme ça, vous pourrez revoir vos messages, vous pourrez revoir les lives, vous pourrez revoir comment j'exerce, etc., etc. Vous allez bien voir que je suis pas en train de, je suis pas caché, j'ai pas une oreillette, j'ai rien. Personne me souffle. Puis bientôt, il y aura les conférences un peu partout en France et à l'étranger, normalement. Ah, c'est gentil. C'est gentil, Déborah, parce qu'il y en a plein qui ont installé Insta que pour moi. C'est vraiment adorable. Après, j'essaierai. C'est pas trop mon truc, mais bon. Parce que je trouve que c'est pas forcément juste, mais Lydia, elle suit. Ah, c'est gentil. Marie Carloulout, qui est abonnée partout. J'essaierai de faire gagner un livre, un de mes livres, pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de l'avoir, mais qui s'appelaient de pouvoir bénéficier d'un livre au sujet de la spiritualité. Merci le Québec. Mais bon, je mettrai ça en place plus tard, je pense, parce que ça fait beaucoup de choses à gérer et c'est pas évident. Est-ce que vous avez des questions au sujet de la médiumité auxquelles je pourrais répondre? Bonsoir Barbara, bonne nuit et bon courage pour demain. Oui, je ressens les animaux, Aurélie. J'ai eu des contacts. Tu ne veux pas refaire un live voyance? Ah, pourquoi? Il y a eu des demandes sur les live voyance pour répondre aux questions de voyance? Oui, je peux faire ça dans la semaine. Oui. Le troisième œil, on dit que c'est là, en fait. Ce qui permet de voir. Alors, je pense pas que ça soit vraiment là, mais le don, vous êtes vraiment empathique. Alors, j'essaie de répondre à des questions là et des questions là. Oui, ça m'a fait peur quand j'étais petit. Oui, effectivement, ouais. Garde-t-on notre visage? Non, on n'a plus notre visage. De l'autre côté, nous sommes de la lumière. Ah, les plumes sur le chemin, Chantal Piche, c'est les anges qui vous envoient ça, ce sont des signes. Alors, il faut que ça soit par hasard, hein. Je sais pas, vous habitez au troisième étage, vous n'avez jamais de plumes chez vous, et puis vous en retrouvez deux dans votre salon qui est hyper éloigné d'un arbre. Et 2 jours de suite ou 3 jours de suite, c'est un peu étrange, hein. Ben, les premiers défunts, oui, ça m'a un peu perturbé, mais ensuite ça allait. Ça allait, puisqu'ils sont très gentils. Oui, alors j'ai terminé les défunts. Si j'ai un autre défunt qui se présente, je vous donne hein, le message, hein. Mais là, je réponds à vos questions. Ah, si je sais que je parle aux bonnes personnes, ben je le sens. Est-ce que l'empathie est un signe de médiumnité? Oui, ça peut être un signe, oui. Alors, ensuite. Comment communiquer avec ses guides? Alors, vous avez des livres qui existent à ce sujet. Il me semble que c'est Serge Boutboul ou quelque chose comme ça, qui vous aide un peu. Non, je reçois pas les messages en rêve. Moi, ils viennent en direct et ils me réveillent. Je peux ressentir la mort, oui, chez quelqu'un, oui. Ça m'est arrivé, mais je le dis pas, je l'annonce pas comme ça. Hein.
Je dis plutôt prenez soin de vous, allez voir vos proches, tout ça, mais je dis pas à la personne qu'elle va partir, hein. Et je peux sentir évidemment si quelqu'un a des dons. Oui, Henri Vigneault, il est bien aussi, j'aime bien. J'aime bien mon collègue. Non, je ne pense pas que je puisse communiquer avec les dieux grecs du Panthéon. L'odeur, ça peut être des signes des défunts. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Alors, il faut les avoir quand vous n'y pensez pas du tout. Hein. Si vous êtes en train de regarder la télé, vous êtes diverti et que d'un coup, vous avez une odeur qui vous vient, qui est une odeur importante, ça peut être un défunt. Et pas de blague là-dessus. Mais quand il dit prenez soin de vous, ouais, quand je dis prenez soin de vous, ça ne veut pas dire forcément que vous allez partir, hein, que vous allez mourir, hein, vous inquiétez pas. Améliorer les capacités et les dons médiumniques. Alors, vous savez quoi? Il y a un château qui existe en Angleterre. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans, je crois qu'il existe. L'Académie des médiums, je crois, il faut taper sur Google. Et ils vous permettent d'accéder à ça. Alors, je sais pas trop comment il fonctionne. Il y avait un reportage qui était intéressant avec l'INRES. Et c'était... Ouais, je pense qu'on peut développer nos capacités. Alors, on rêve pas d'un défunt, on fait un songe au sujet d'un défunt. Non, pas tous les défunts sont dans la lumière. Alors moi, j'ai pas le côté, je suis déjà assez étrange comme ça, je pense, mais j'ai pas le côté farfelu de dire que je parle à l'archange Métatron ou Sanatana ou je sais pas quel autre nom. Peut-être que les autres diront que je suis ignorant, mais moi, je vous dis ce que j'entends, ce que je ressens, et je sais pas forcément à qui je m'adresse. Je les nomme pas d'ailleurs. Enfin, si je dis mes anges, mes guides, je demande à Michel Riffard et puis mes proches défunts. Mais tout ce qui est un peu du domaine du fabuleux, les fées, tout ça, je dis pas que ça existe pas parce que je les ressens. Hein, mais moi, j'ai pas forcément de contact avec eux. Et oui, je sais déceler qui a des capacités ou pas. Ah oui, je vois l'avenir, oui. C'est la médiumnité, c'est être contact avec les défunts et la voyance, c'est voir l'avenir, mais je fais les deux, hein. Il y a des défunts qui viennent parfois quand je fais mes courses. Alors ça m'arrive pas tous les 4 matins, mais ils vont venir et alors j'ai le cœur qui bat très très vite et je fixe la personne et je suis obligé de délivrer le message. Et ça, c'est en dehors de mes consultations. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. La dimension, ça veut dire que vous êtes en connexion, je pense, qu'ils essayent de vous déboucher les oreilles pour avoir une connexion. Alors, je pense que je vais devoir faire des masterclass pour répondre à toutes vos questions parce que vous êtes beaucoup et je pense que 500 personnes, je vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais on fera des masterclass pour y répondre. Oui, mais c'est bien, et Ange, il faut de l'amour, beaucoup d'amour. Alors, on pouvait avoir des maux de tête parce que, en fait, les défunts prennent l'énergie des personnes connectées, là. Donc, ils prennent mon énergie, ils prennent la vôtre, même derrière votre écran. Donc, après, vous pouvez vous sentir un peu fatigué, hein. Vous allez dormir comme des masses ce soir. Oui, si vous rêvez souvent des défunts, c'est qu'ils sont à vos côtés, hein. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. À toi, Izzy, il te réveille en pleine nuit, les maux de tête? Merci les maux d'os, hein, pour tout ce que vous avez fait, hein. Bonne nuit, Corinne. Ah oui, il faudrait plutôt faire attention au nombre, hein, le 24, effectivement, hein. Ce sont des songes, si vous rêvez de défunts, tout ça, ce sont des songes, hein.
Alors, vos anges, vos guides sont à côté de vous et ils changent, hein. Au fur et à mesure de votre évolution terrienne, ils changent. Quand on ne se souvient jamais de ses rêves, ça veut dire qu'on ne dort jamais en profondeur. Normalement, c'est les gens qui dorment en profondeur et qui se réveillent souvent pendant la nuit, qui se rappellent de leurs rêves. L'âme a quitté le corps, mais de suite, une fraction de seconde. Alors pour les morts un peu plus lentes, ça peut prendre jusqu'à, je sais pas, 2, 3 minutes, mais pas. Les songes, c'est différent des rêves. Les rêves, je le répète tout le temps lors des lives, c'est le cerveau qui trie les informations et qui les classe. Et donc ça peut être un peu bizarre. Alors que les songes, c'est vous êtes dans un mode de conscience modifié. Et là, les défunts peuvent venir vous apporter des messages et vous avez l'impression que c'est très réel. Et c'est marqué dans votre corps, c'est imprégné. Donc ça, c'est un songe. C'est très important, hein. Alors, on est 19 100 ou 200 sur TikTok. Est-ce qu'on va arriver aux 20 000? Et sur Insta, je ne sais plus à combien on est. Il va falloir qu'on approche les 10 000 rapidement, hein. Il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut que j'arrive à éveiller énormément de monde dans l'amour. Le but des anges et des guides, c'est de vous faire connecter à vous-même, en fait. Et donc, je pense que moi, je vais pas partir de suite. Je vais partir à 96 ans. Donc, j'en ai beaucoup à aider et qui vont m'aider. Vous aussi, vous allez m'aider, hein. Alors, quand on rêve qu'on a des ailes et qu'on est frappé des gens, ça signifie quoi? Alors là, je ne sais pas du tout. Il faudrait voir dans le dictionnaire des rêves. Oui, c'est vraiment pour vous aider et pour vous reconnecter à l'amour. Alors, à travers vous, j'apprends aussi également. Hein. Je suis pas un donneur de leçons et un donneur de chemin de vie. Hein. J'apprends énormément avec vous, hein, avec tous mes contacts. Hein. Je suis pas un élu. On est tous pareils. J'ai juste une faculté, mais qui m'est donnée parce que je l'accepte et j'ai choisi de faire ça dans ma vie terrestre. Mais pas tout le monde a les facultés parce qu'on n'est pas tous dotés à faire ce chemin de vie. Hein. C'est un sacerdoce, hein, de faire ce chemin de vie. C'est pas forcément hyper agréable. Il y a des jours, c'est comme quand vous avez travaillé. Il y a des jours où vous avez envie, il y a des jours où vous n'avez pas envie. Il y a des jours où vous êtes fatigué, vous avez envie de parler à personne, vous n'avez même pas envie d'avoir vos anges, pardon les anges du passé pour vous, hein, mais vous avez juste envie d'être tranquille en fait parce que ça vous pompe tellement de l'énergie et ça vous apporte beaucoup de bonheur hein, aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est les jours où on n'a pas forcément envie, qu'on fait des super rencontres, qu'on a des super ressentis et du coup ça me reconnecte à l'amour et je me donne un peu un coup de pied aux fesses, mais peut-être c'est notre corps qu'on subit. Ici sur Terre qui nous donne pas l'évidence en fait et qui nous rend pas la vie forcément facile. Donc si on pouvait se débarrasser un peu de toutes les problématiques corporelles qu'on a et encore on n'a pas du tout à se plaindre puisqu'il y a des gens qui naissent avec de grosses problématiques, hein, qui sont handicapés, qui naissent sans bras, sans jambes ou qui ont d'autres soucis. Et moi j'ai fait les accompagnements à Lourdes. Pour la semaine du 15 août. Et c'est vrai qu'on est en... Alors, j'aime pas dire aide pour les... Moi, j'étais avec les jeunes qui ont certaines pathologies, la mucoviscidose, les handicaps forts, tout ça. Et ils vous font bien remarquer qu'on est là pour être avec eux comme des amis, dans l'amour, en tout cas, dans la bienveillance, et pas du tout comme quelqu'un qui serait survalide à côté d'eux, donc qui auraient plus de capacités qu'eux, et qui du coup... Ah, ça a tapé. Ça fait jamais ça. Hein. La dernière fois, il y a Alexa qui s'est déclenchée. Et donc, ce sont des personnes avec une âme très pure. Donc, si vous n'êtes pas dans l'amour et que vous voulez les aider absolument parce que vous avez deux bras et deux jambes, eh ben, ça va pas marcher parce que vous serez du coup dans l'ego. Et pas dans l'amour, et ça ils le ressentent et du coup ils sont complètement fermés. Oui, bonne nuit à tous ceux qui quittent le live. Si vous avez l'occasion de faire ça, d'aller à Lourdes ou de beau travailler ou d'aider des associations, soyez toujours dans l'empathie, la bienveillance et l'amour parce que il faut pas le faire pour le faire, il faut vraiment que ça vienne de vos tripes. Si Alexa qui s'est emballée la dernière fois,
Ça s'est déclenché tout seul. Ah, merci Liliange. Vous avez vu, c'est quand même très précis les messages, hein? Alors après, je les interprète pas. J'essaie de vous les donner tels qu'ils arrivent. Alors, comment vous faites pour supporter les messages de décès à venir? J'ai vraiment du mal avec ça, je ne peux rien changer. Ben, ça me dérange pas parce que je sais qu'on est une âme et que c'est comme ça. Bonne soirée à tous ceux qui partent. Ah, c'est bien. Lors d'un songe, mon défunt m'a dit, ah, enfin, il était temps. Ça, c'est quand vous vous connectez à votre âme, à votre être. Alors, enregistrer les voix, ça s'appelle, c'est pas la TCI. C'est pas mal, mais il faut toujours être protégé parce qu'il y a toujours le bas astral qui vient. L'âme grandit en tout cas pour lors des IVG. Alors ben votre mission de vie, vous le savez, vous le sentez, hein, vous êtes dirigé par les endroits. Hein. Alors, les terreurs nocturnes, c'est de ne pas vouloir se déconnecter de la Terre parce qu'on a du mal à lâcher prise. C'est transcommunication et le I, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et oui, il y a juste besoin de guérir après un décès, guérir dans l'amour. Oui, on peut voir des apparitions sur les photos, ça m'est déjà arrivé à la Sainte-Baume. C'était en 2007, je crois, c'était vieux, hein. Je l'ai mis sur mon site internet, l'apparition, il y a plusieurs visages et même une tête de mort. Et après, sur un mur, dans une église, il y a Jésus. Je vous assure, il y avait une statue de Jésus et il y a Jésus derrière, comme s'il était imprimé, sur le mur. Et bêtement, je me suis dit, ça doit être un tableau qui était là et qui s'est surimprimé, alors que pas du tout. Ça pouvait pas être un tableau, ni une tenture, ni rien d'autre, hein. Mais allez voir sur le site, c'est étrange. Ah oui, transcommunication instrumentale. Une marque de main sur le ventre? Ben, je sais pas. Alors si vous dormez, vous êtes au-dessus de votre corps, c'est que vous faites des corporations astrales, on appelle ça. Votre âme sort de votre corps. Les heures miroirs, vous en parlez souvent, hein. C'est des signes comme quoi vous vous connectez à la spiritualité, hein. Thierry Saint-Aubin en parle bien sur YouTube, mais je voulais le ressenti de Nicolas. Ressenti à propos de quoi, nous sachons? Ah, c'est gentil, vous m'avez découvert ce soir, Jess. Merci pour votre mot. C'est gentil. Alors elle dit pour ceux qui n'ont pas lu, je vous ai découvert ce soir et quelle découverte, vous dégagez tellement d'amour et de lumière, il me tarde de voir votre prochain live, tellement passionnant, merci pour ce que vous faites. Alors vous pouvez revoir les autres, les anciens lives qui sont tout aussi précis grâce aux anges sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Et je vous ferai des vidéos explicative aussi pour les heures miroirs, pour tout ça, parce que vous êtes beaucoup à poser des questions. Et donc, je vous ferai des vidéos. Au moins, vous pourrez les revoir sur YouTube. Alors, sur YouTube, c'est pas du tout monétisé, hein. J'ai pas du tout fait ça. Et comme ça, je peux utiliser les sons que je veux. Ah oui, on peut voir des ombres qui vous paralysent. Et notamment à l'hôpital, il y a beaucoup de défunts. C'est pour vous contacter d'ailleurs, parce qu'ils essayent de vous parler pour être sauvés, parce qu'ils sont bloqués. Oui, on peut voir ses propres vies antérieures. Il faut passer par des médiums, hein. Après, vous avez des hypnothérapeutes. Cécile, elle peut faire des hypnothérapies régressives ou pas? Cécile, tu peux faire ça? Cécile, qui est modératrice, a un site internet, cécileandreux-accompagnement. Elle est hypnothérapeute holistique. Merci, Karine Vecchi. Bonne nuit à tous ceux qui partent, hein. C'est quoi Nimbé, Jeff? Ah, parce que je pense, Douane dit pourquoi certains défunts peuvent communiquer et d'autres non. Parce que ça leur demande déjà beaucoup d'énergie. C'est comme s'ils devaient faire un stage aussi auparavant pour pouvoir. Il y en a un là. Là, par contre, je l'ai vu, là, la silhouette.
J'ai vu la silhouette blanche. C'est un grand. Alors, je pense pas que ça soit un. C'est comme un archange ou quelque chose comme ça. C'est une bienveillance, hein. Comme s'il passait des stages pour pouvoir nous envoyer des images ou nous donner des sons, tout ça, c'est. Ils n'ont pas la capacité de suite, hein. Ah oui, à l'hôpital, vous pouvez sentir plein, plein d'énergie, hein. Ah, Gabriel Pimenta le fait. Alors, Jeff nous fait part de. C'est vrai que c'est mon ami, mon collègue. Gabriel Pimenta, qui est réservable sous Doctolib et qui est hypnothérapeute également et qui fait les hypnothérapies régressives. Donc, tapez Gabriel Pimenta sur Internet ou Doctolib. Il fait des sessions en Espagne et à Paris. Je sais plus s'il continue Perpignan ou pas, mais vous pouvez y aller. Alors, voilà. Là, on me dit, il y a un vrai médium qui m'a parlé de mes vies antérieures. J'ai eu le ressenti. Alors, c'est important quand vous allez voir un médium. Si c'est fait exprès ou pas, mais dès qu'on va vous dire un ressenti, alors j'extrapole, hein, en vous disant, oh, je sais que vous avez été Cléopâtre. Si vous n'avez pas du tout le ressenti, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça ne me parle pas du tout. Et donc là, on ne sera pas en connexion parce qu'il y a des faux médiums qui vont vous raconter des bêtises. Moi, ça m'arrive de dire les vies antérieures, mais par contre, la personne me dit, oui, c'est exactement ça, j'en rêve tout le temps. Voilà, là, on va être connecté, on a de la matière. Alors que si on vous dit, vous étiez Cléopâtre, que ça vous parle pas, et que la personne continue, je vois les pyramides, je vois Bastet, je vois plein de trucs comme ça sert à rien, vous allez perdre votre temps, parce que peut-être qu'il est dans le vrai, hein, mais en même temps, si on peut pas le prouver, à quoi ça sert? Allez, dans 7 minutes, j'arrête. Ça fera 2 heures, même plus, 2 heures et demie. Vous vous rendez compte, 2 heures et demie avec vous, après une journée de travail? Allez, dans 7 minutes, je coupe. Et oui, je sais que vous aimeriez que je reste jusqu'à 3 heures du matin, mais il faut que je récupère aussi. Et j'ai mes journées de consultation. Et je ne suis pas une machine. Après, vous pouvez venir me voir lors des conférences. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir vos associations dans vos régions. Il y a toujours des associations sur le paranormal, sur la spiritualité, sur tout ça. Et vous pouvez dire, ben moi j'ai vu Nicolas David en live. Vous pouvez voir les vidéos sur YouTube, Nicolas David Medium. Vous pouvez voir ses capacités et vous pouvez lui demander de venir. Donc après, il m'envoie un mail et je viens pour les associations. Tous les mois, je suis à Paris premier pour une association qui s'appelle l'USF, Union Spirit Française. Donc j'ai une date, elles sont affichées sur mon site internet. Cette année, avec les anges spirituels, c'est une autre association. Ça sera en novembre, je crois, le 6 novembre, à Paris, à l'hôtel de Belfort, je crois. Et après, j'ai d'autres dates dans d'autres associations, mais vous pouvez aller demander à votre association, voilà. Et vous pouvez taper Nicolas David Medium dans Google et vous allez voir. Et Cécile parle de toi, Cécile, hein. Cécile, hypnothérapeute holistique. Pardon. Alors, moi je tenais à vous remercier de cette belle rencontre, très belle rencontre, je ne m'y attendais pas du tout. Merci, merci. Et surtout, vous avez parlé de peluche à Titounette, à mon chéri. Merci, merci. Et puis le reste que je ne suis pas censé savoir, hein. Véronique, je vous en prie, hein. C'était pour vous, c'est pas. Pour vous, c'est grâce à moi, mais pour moi, c'est grâce à eux. Si eux, merci, si eux me donnent pas les messages, je ne peux pas savoir. Ah, j'ai juste un message de Vincent. Vincent, c'est un monsieur décédé. Accident de voiture. Vincent, lors d'un accident de voiture, il veut passer de l'amour. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que les personnes sont là? Ah, merci Cécile de parler de ton profil TikTok, thérapie holistique, hypnothérapeute, magnétisme. Cécile Andreu, si vous avez besoin, abonnez-vous à elle, hein, sur TikTok, sur Instagram et allez voir son site. Je suis tombé totalement par hasard sur une vidéo qui me parle totalement, mais rien n'est un hasard. Merci à vous. Oui, personne, c'est pas un hasard. Non, pas Jean-Vincent, je l'aurais sorti sinon. Bonsoir, Jessie. En 4 minutes, j'éteins
Oui, c'est un accident alors de voiture, je pense, hein. Vincent. Ah, 1, 2, 3, soleil, je perdais espoir. 3, live et hop, message incroyable. Il était si petit à l'époque, cela fait 11 ans. Ah oui, Paul. Bon, si la personne regarde le live, il y avait un message de Vincent pour dire, pour apporter de l'amour. Et je sais pas si c'est Alexandra. Accident de voiture, Alexandra, Vincent. Je crois que je les ai déjà eus, ces jeunes. Je vous en prie, Marie. Bon, alors prenez soin bien de vous. N'oubliez pas qu'il faut toujours cheminer vers vous. C'est important. Et pour être en adéquation avec le monde d'aujourd'hui et vous-même. Jessie, c'est terminé. Je suis en live depuis 21 h. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas d'envoyer des messages d'amour à vos défunts pour être connectés à eux. Dites-leur de venir me voir lors des lives. Ça me fera plaisir. Aurore, oui, Alexandra, Vincent. Vincent, c'est lui qui est décédé d'un accident de voiture. Mais je ne l'ai pas déjà eu, ça? J'ai mal à la tête. À très vite, Caro. Bonne nuit Marie, bonne nuit tout le monde, bonne nuit Nounette. Et la bienveillance, de l'amour, hein. Aurore, ça vous parle ou pas? Bonne nuit Odile. Aurore, vous êtes là ou pas? Bon, ben, je vous souhaite la bonne nuit. Et prenez bien soin de vous et des proches surtout, hein. J'attends juste le message de Aurore par rapport à Vincent et Alexandra dans la voiture. Merci, Catesotte, qui dit merci pour ce moment. Merci, Véronique, bonne nuit. Jeff, ils viennent déjà, moi, c'est quoi? Ouais, moi aussi j'ai mal à la tête. Alors elle répond pas, Aurore. Bon, Aurore, tant pis. Vous pouvez retrouver. Ah, j'ai encore raté le live, je suis rentré. Ah, ben bon repos, Morgane. Ben, tu pourras le revoir, j'allais en parler. Vous pouvez revoir le live sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Là, vous pourrez revoir le live Instagram dans les réels. Normalement, il est diffusé juste après. Ah, d'accord. Il fallait pas me le dire, Aurore. Comme ça, s'il vient la prochaine fois, ça aurait été plus probant. Donc sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium, normalement dès demain, s'il n'y a pas de bug TikTok, il ne devrait pas y en avoir. N'oubliez pas de vous abonner. TikTok Nicolas David Medium off. Attention aux usurpateurs, ce n'est pas moi qui vous envoie des messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes trop nombreux et d'ailleurs, je ne le fais pas et je ne vous proposerai pas mes services. Voilà, et le livre, Le chuchotement des anges. Je vous embrasse. Bonne nuit à tous et à toutes. Merci les modos pour tout le travail que vous avez fait. Et puis à Cécile, mon amie aussi. Merci. Comment on dit en espagnol? Hasta luego. Bye bye tout le monde. Bye bye.